Pour le retard, il n'y a rien qui va. Ok, il n'y a rien qui va, je vais vous expliquer. Mais je suis super contente de vous retrouver pour ce dernier live sur le jeu d'horreur The Devil in Me. Coucou Glouglouche, coucou Flora, coucou Eumystère, coucou Lou, coucou Sébastien, coucou Céleste, coucou Marteau, coucou Fox, coucou Loulou, coucou Méli Mélou, coucou Nina, coucou Alix, coucou Leilou, coucou tout le monde. Alors, j'ai pas mal de petites choses à régler. Je suis désolée pour le retard. En fait, avant, j'étais en galère, je devais appeler ma mutuelle, etc. Ils m'ont tenu la jambe, enfin ils m'ont tenu la jambe, ils m'ont fait perdre mon temps en attendant, et puis après quand j'ai eu la réponse que je voulais, oui alors nanana, ah je live. Bref, alors aujourd'hui, je me suis fait un make-up, d'habitude je fais jamais du violet ou je sais pas quoi, mais bref, j'avais envie, et en mode combattante, tu vois. Je mets pas du rouge à lèvres foncé sur mes lèvres d'habitude, mais vas-y, j'ai dit, let's go. Merci, c'est gentil d'ailleurs. Bah justement, je me suis dit, let's go, je mets en mode combattante, d'ailleurs j'avais pris une petite chemise noir, mais en fait j'ai chaud pour l'instant, et je me dis je risque d'avoir chaud avec les QTE et d'avoir peur, mais je voulais être vraiment en mode full black, qu'on soit à donf. Alors, je vais enlever pas mal de choses, le gaule membre, bon on est 166, merci beaucoup, mais là ça je l'enlève, je vais lancer le jeu, hop, moi, il faut que je mette le casque, mais je crois que j'aurai déjà le son dans le casque. Attendez, j'ai pas mal de choses à régler encore. Hop les. Là, c'est bon. La bibliothèque, on lance le jeu, The Dark Picture, voilà. Pourquoi à chaque fois il me dit ce truc-là, lui? Je sais pas pourquoi il me dit ça. Je m'en fous, ça. Coco, lance-moi le jeu. Don't show me this again. Ok, bon. Donc, on va être au taquet. Bien sûr, mon MacBook n'a plus de batterie. Vous savez, je me suis dit, hein, avant de live, je me suis dit, il faut que je le mette en charge et tout. Je me le suis dit trois fois. Je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Ah! Heureusement que j'ai pas le casque. Peut-être que vous vous entendez, moi j'entends pas pour l'instant. Je l'ai pas allumé le casque en plus. Mais vas-y là, les images que j'ai vues, ça m'a dégoûté. Alors, donc pour les personnes qui ne savent pas, nous ne liveons pas sur les Sims, parce que je suis une YouTubeuse Sims de base. Nous liveons sur Dark Pictures, The Devil in Me. Ça va être chaud patate. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, le chargeur. Voilà. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Les abonnés... Je suis là, voilà, je vous vois. J'adore tes vidéos, continue comme ça, c'est très gentil, merci beaucoup Alicia. Il y avait un énième live sur ce jeu. On a fait... Là, c'est le troisième live. En gros, on a fait deux lives sur le jeu, et là, c'est le troisième. Hop là. Et on va le finir, le jeu, aujourd'hui, moi, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le confirme, je vous le surconfirme. Ça va mieux tourner qu'on joue. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai encore fait... Alors, mon médecin m'a repris, ce n'est pas... Une épistasie, c'est un épistasis. Voilà, ça se dit comme ça. En gros, c'est quand tu pisses du sang du nez et que ça s'arrête au bout de vachement longtemps. Et moi, ça m'a gavé parce que ben, c'était la troisième fois en trois semaines. Et je vous ai fait une petite vidéo sur Insta. On voit que j'ai plein de sang sur le visage. Ça va, ça fait pas non plus trop peur. Je vous ai épargné les photos dégueulasses. Je les ai pas épargnées à mes proches. Mon mec, j'aurais m'a dit, mais je voulais pas voir ça. Oui, bah désolé, t'as vu un steak de sang, voilà. C'est quand le sang est coagulé, à la fin, ça fait un steak. Montre ta manette. Ah, ma manette! Bah d'ailleurs, ma manette, oui, il y a du violet dedans. C'est vrai, bleu violet. Mais c'était la plus jolie. En vrai, j'aurais pris une manette blanche, mais bon, je me suis dit... comme en général, les câbles sont jamais blancs et tout. Pour tourner, c'est chaud.
Bah écoute, là j'ai fait prise de sang et tout pour savoir si j'avais un problème de coagulation. Bref, normalement, il n'y a pas de problème. J'attends que mon médecin me rappelle. MDR, si mon médecin me rappelle pendant qu'on est en live, je rigole. Hein. Merci beaucoup, Jessina, pour être membre. Mais non, t'es membre depuis longtemps. Membre depuis 10 mois. Coucou, conju, t'es trop belle aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est adorable. Alors, je vous prends le chat ici. Je vais mettre le casque. Je vais entendre la musique de The Devil Enemy. J'ai pas envie. Vous l'entendez, vous, peut-être? Je sais pas si vous entendez la musique. On va checker ça ensemble. J'ai raté le deuxième live. Le deuxième live, c'était... On a fait un live dimanche soir, on a fait un live mardi soir de la semaine dernière. Et là, on est au troisième live. Alors, je sais pas comment mettre mes cheveux. Je vais mettre comme ça. On y va. Ah oui, j'entends la musique. Oh non, j'aime pas. Attendez, je vais bien plaquer. Pour bien entendre les screamers, on va bien flipper de ouf. Voilà. Voilà, conju, elle veut avoir peur. Non, j'ai pas du tout envie d'avoir peur. Alors, je vous prends. Vous entendez ou pas? Vous, les bruits? Et en plus, il paraît que la fin du jeu, ma modo, elle me l'a dit, enfin mes modos me l'ont dit, il paraît que la fin du jeu est extrêmement intense. Et genre que je vais devoir rater aucun QTE. Si je rate des QTE, on a perdu, les gens, ils sont morts, c'est finito pipo. Donc. Est-ce que vous entendez ou pas la musique? Non, non. Alors, je sais pas pourquoi vous entendez pas. Ah, mais si, c'est parce qu'on n'est pas sur le bon truc. Overlay jeu. Le jeu. Vous entendez pas? Je sais. Est-ce que ça capture? Ok, est-ce que vous allez entendre? Vous entendez là ou pas? Je suis pas sûre que vous entendiez. Audio du bureau. Non, on n'entend rien. Propriété. Est-ce que vous entendez ou pas là? La musique, le bruit de fond. Non? Non, rien. Non? Ah oui, il me reste un joker aussi. Vous entendez pas? Oh! Elle m'a fait peur l'alerte! Merci beaucoup, Jessina, pour tes 5,99€! Merci beaucoup, j'ai pas vu ton message, attends. Mais pourquoi je lag, moi, je bug, genre? Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas mon chat. Vas-y, ça me saoule. Franchement, à peine il y a des petits bruits, là, je suis en train de caner, ça m'énerve. Je vais baisser le son, hein, je vais baisser le son, je vais baisser le son. Je suis désolée, je vais baisser le son. Enfin, vous l'entendrez, mais moi, je vais baisser le son parce que je peux pas. Si on entend, oui, on entend. Ok, super. Tu referas d'autres jeux d'horreur. C'est possible si on avance. Ah, bah d'ailleurs, je dois changer ça. Pas mettre les petites fleurs. Si on va à 200, je fais un autre Dark Picture si vous voulez. J'ai un peu peur en vrai. Pourquoi je dis ça? Mais si on arrive à 200 membres, je ferai un autre Dark Picture. Alors, le goal membre, je l'efface pour l'immersion et pour la caméra du jeu. Non, c'est pas ça. Oh, pétard. Je galère, punaise. Je sais pas pourquoi je fais cet accent, ok, vous moquez pas. Voilà! On est bien là! On est bien, ok. Normalement, on est good. Normalement, on est good. T'es vraiment courageuse, c'est fort de faire ça pour tes abonnés, bravo à toi, j'ai vraiment hâte de voir la fin du jeu. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir la fin. Et je n'avais pas lu ton message, ah non, c'était juste 5,99€. Ah, il y avait Noob en sticker qui clignote. Merci beaucoup, c'est gentil. D'où tu dis que je suis une Noob? Alors attendez, parce que pour être dans une immersion horreur, je vais éteindre mon néon. Je vais mettre une ambiance quoi? Rouge? Vous vouliez en derrière? Allez, on est parti. On est parti, moi j'y vais, hein. Let's go! Hop là. Hop. Alors, on a dit rouge. Rouge. J'enlève blanc. Ok. Et je baisse ma luminosité à moi. Et là, on va se mettre dans l'ambiance du jeu. Voilà, moi je suis pas très lumineuse normalement là. Voilà. Ok. Enfin, je sais pas, je crois que je suis encore assez lumineuse quand même. J'ai mal au dos, my god. C'est rouge, hein, vraiment, là c'est rouge, je sais pas si vous voyez. Je vous remets en full si vous voulez, mais c'est rouge, hein. J'ai mis rouge l'ambiance. Mais je crois que je suis encore trop lumineuse. Vraiment, là on est dans le sombre, hein. Ah mais non, c'est parce que je dois éteindre ça. C'est pour ça. Voilà. Là, on est bien sombre. Allez, c'est parti. Wouh!
J'ai peur, je veux faire des bêtises. Ah là 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 là. J'ai 800 000 notifications, c'est une catastrophe. On est prêt? On est ready? Vas-y, ça me saoule. Le bruit, ça me saoule. J'ai l'impression que mon Wi-Fi bug de ouf là. Vous savez quoi? Pour voir le chat, je suis obligée de me mettre en 144p pour vous dire. Pourquoi il y a une image de marque bizarre là? Ok, tout va bien se passer. Allez, courage. Allez, let's go. Vous êtes. Tout le monde est bon? Vous êtes là? Vous entendez le son? J'ai peur de te voir avoir peur. Ah! Alors ça, c'est fort probable. Je veux juste être sûre. Alors d'ailleurs, je ne live pas sur Twitch parce que. Sur Twitch. Sur TikTok parce que ça ne marche pas. Ils disent que je fais pas du contenu original, donc je peux pas live. Voilà. Genre, voilà. Écoutez. Écoutez, écoutez, écoutez. On va pas se prendre la tête. On y go. On est parti. J'ai le câble. J'ai tous les câbles. Si je crie, c'est normal. Il faut que je me mette dans le bain du jeu. D'accord? D'accord. C'est bon? Allez, let's go. Ah oui, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle avait le tournevis et elle s'en sort. C'est vrai. Attendez, je sais plus c'est quoi les touches d'habitude. Ah, ça va? A et en bas, ok. J'ai l'air d'aller bien. Moi aussi, je l'avais save, JPP. Donc là, elle récupère le tournevis. Ok. Super. Merci beaucoup, Noémie, pour être devenue membre. Merci infiniment. Merci beaucoup. T'as accès à plein d'informations dans mon premier onglet communautaire. Ne traînons pas. La chaîne, un badge à côté de ton pseudo, un super chat gratuit par mois et 14 émojis que tu peux utiliser en commentaire sur les vidéos et sur le live. Merci beaucoup. Erin. Ok. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Erin, c'est tout. À retrouver ce Jamie et Kate. Le voilà. Ah là 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 là, on court. Il va y avoir des QTE, je suis pas prête en fait. Ah non, non, pas de QTE. Ah, c'est Marc. Augmente le son du jeu. Vous voulez que j'augmente le son du jeu? Attendez, je vais faire ça. Hein. Ouvrir le mélangeur de volume. Mais il est au max, je suis à 100%. Je suis à 100%, le son du jeu, c'est bien là quand même. Je peux pas mettre plus. Il est super fort là. Non, 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 n'augmente pas. Non, non, non. Ah oui, bah sinon vous n'allez plus m'entendre après. On est d'accord, on reste comme ça. On reste comme ça. Ok. Allez, on continue. Je me suis mis en maquillage de combattante. C'est pour que personne meure. Ok. Je vais perdre, hein, je le sais, mais c'est. J'y crois. J'essaye tout du moins. Vas-y, Marc. Attends, Marc, il était où avant? Il respire dans mes oreilles là, ça fait de l'ASMR mais. Ah, oula, Allez, Kate, on fonce. Kate. Oh pétard. Attendez, en vrai j'ai peur là. Il est parti. Non, il est pas parti! Attendez, j'ai paniqué! Je voulais voir si je pouvais régler la luminosité, mais tout va bien. J'ai peur de ouf! Oh, QTE, attendez, le A est vers le bas, le A est en bas. Le A est en bas, le B est à droite, le X est à gauche. Allez, je perds personne. C'est quoi ça? Pétard. C'est quoi déjà la touche? Ah, c'est la gâchette? Par là, descends. Non, je vais pas te laisser. Fais ce que je te dis, fonce. Pétard, mais je comprends rien. Je vais perdre quelqu'un, je vous le dis. J'ai un seul joker. On va où là? Ouais, j'ai réussi! C'est la gâchette, ok, c'est la gâchette! Meuf, 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 meuf! Je sais pas, moi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Pétard, c'est la fin du jeu, ça va être méga intense. C'est le live le plus intense que j'ai jamais fait de ma vie. Elle se cache? Attends, c'est A. C'est A quand ça fait boum boum là, le cœur. Ok. Je suis calme, ok. RT, c'est le joystick. Respire. Ok, c'est ça. Non, c'est la gâchette, RT. 3. 4. Ah, est-ce qu'elle peut prendre sa pierre Merde. Pour la calmer? Allez, respire. Respire. Ça la calme, la pierre? Je sais pas, elle a une pierre.
Ok, c'est A. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait. Non, c'est bon. Alors attendez, j'ai appuyé sur A, je vous promets, mais j'ai appuyé sur un truc derrière. Je sais pas ce que c'est ça. C'est quoi ce truc là? Je sais pas ce que c'est, je vous promets, j'ai pas fait exprès. Ça là, la languette violette là. La languette violette là, c'est quoi ça? J'ai appuyé sur A. Me dites pas qu'elle est morte s'il te plaît. En vrai, je peux faire des QTE, je m'en sors. On est d'accord? Par pitié, je vous promets, j'ai appuyé sur A, mais en fait, il y a une languette derrière, la violette, toute petite. Je sais pas ce que c'est, cette languette de Hla, là. Et j'ai appuyé dessus. Les gens, attendez, faut que je me chauffe pour les QTE, là. Je suis le Wonder Woman, ok? Je suis foutue. QTE! B! Allez meuf. Cours! Cours! A! Y! B! J'ai trop peur. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pas tout de suite. Jamie, je la sauve. Attends, ça va pas ou quoi? Sauve-la. Je sais pas ce que je fais. Laissez-moi tranquille. Ok. Il est tombé. Il est tombé. Toutes les fois où je t'ai traité de pétasse, t'es mon héroïne, Kate. Ouais, je sais que je suis ton héroïne. Si je te laissais mourir, tu me rentrais. C'est ça qu'elle s'est dit. Tu aurais eu droit. Ça va? Mais attendez, là, il est pas mort, là, hein. Sinon, c'est la fin du jeu. Ouais. Non, il est pas mort, hein. Trop bien. Il est pas mort. Bien fait pour ta gueule. Non, mais faut l'écraser, là. Faut prendre un truc, écraser-lui la tête, là. Il va vous pourchasser. Pourri en enfer. Ordure. Mais vous croyez vraiment qu'il est mort, là? Non, mais sérieux. Non, mais attendez, c'était une chute de rien du tout, hein. Quand même. Super, il remet son chapeau et c'est reparti pour la course, à gogo. Bande de teuteux. Oh là là. Ah, il fait flipper. Erin, pourquoi je suis Erin? Ah non, je veux pas être Erin, elle est nulle. C'est pas possible. Je suis désolée, elle fait que des bêtises, elle. On l'avait déjà perdu une première fois. Je vais où? Je fais quoi? Erin. Meuf, tu me fais peur. Les gens, j'ai peur d'Erin. J'ai pas confiance en elle. Erin, OMG, stay alive, please. Je vais essayer, je te promets, je vais essayer de ouf. Elle se cache, je crois. Ah, j'ai une poussière. Oh non, pas les A. Ok, attendez, je fais gaffe. Je ne touche pas ce qu'il y a derrière. Allez. J'en ai marre, je suis crispée comme Jaja.
Bon, il se barre. Ok. Puis celle-là. Oli's ok. Erin, ça va? J'ai eu de la chance. Tout va bien. Bon. S'échapper du labyrinthe. Oh, oh non, j'aime pas les labyrinthes. C'est quoi ça? Ok. Bon, elle me saoule là, va voilà, plus vite. Je pense. Wow. Ok, bon, je vais peut-être aller un peu vite. Ok, les gens me suivent. Oh là 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 là! Pourquoi je vois rien comme ça? Ah, tu m'étonnes, on est dans un labyrinthe dans le noir. Là, je peux passer là? Ok. Il y a quoi ici? Je sais pas ce qu'il y a. Je commence wow. à baliser. Oh, c'est quoi ça? On va peut-être avoir une prémonition? Non. Alors là, j'essaye vraiment de vous donner... comment ça s'appelle? Un jeu des plus qualitatifs. Hein. Je me donne à fond. Hein. Oula, attendez. Ah non, c'était pas un chemin. Je crois que c'était un chemin. C'est glauque. Mais j'avoue que cet endroit est grave glauque. Je sais plus où je suis. Attendez, là je reviens en arrière là. Kate, tu veux pas m'aider s'il te plaît? Il y a un cheval. Waouh, 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 waouh. Bon. Là. Là, ici. Ok. Ok. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je passe par où, là, maintenant? Ah, regardez, il y a des trucs, là-bas. Ouh, ça fait peur. Je passe par où? Il y a pas un chemin, là? Putain, mais meuf, on voit rien. Sortir du labyrinthe. Ah, bah, ouais. Ok, donc là, en fait, vous êtes en train de me dire que je suis juste coincée, c'est ça? Imagine, il y a des gosses qui se sont... Oh non, mais dis pas ça, c'est horrible en vrai. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, d'accord. On est d'accord que là, c'est la quête, c'est juste je sors du labyrinthe. Hein. Je fouille de partout et on va finir par trouver. Mais d'accord, hein, que je me trompe pas. On n'avait pas eu de prémonition sur on se fait attaquer dans le labyrinthe. J'espère pas. Hein. Attendez, je vais marcher un peu plus lentement. Ok, donc là, il y a une lumière. Je balise l'endroit où il y a une lumière. Là, je peux pas passer. Ah, là, je peux... Non, je peux toujours pas passer. Oh là là. Là, je peux aller où, là? Ok, il y a une autre lumière. Mais wesh, je suis bloquée, là. Attendez, j'ai l'impression que je peux aller nulle part. Je sais refermer derrière moi ou quoi? Punaise, Jamie, tu fais peur. Je peux pas monter quelque part? On voit rien, les gens, on voit rien. C'est en train de me rendre folle. Ah, c'est bon. Écoutez, j'ai remarqué un truc à propos de Dumet. J'ai trouvé, quoi? C'est bon. Bon, voilà, quand j'étais petite, je parlais coucou, pas beaucoup. Coucou, Angélique, coucou, quelle toutes surprise. Les personnes qui sont là. Non, mais j'étais quasi muette. C'était du mutisme sélectif. Je pouvais parler, mais je le faisais pas. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Et... C'est oui, quoi, je répète, s'il vous plaît, si vous avez moins de 12 ans, ne soyez pas sur ce live, et sinon le jeu est interdit aux moins de 16 ans. Est interdit. Je crois qu'on n'a pas le droit de dire interdit, mais c'est déconseillé. J'avais peur qu'en parlant, j'allais dévoiler mon identité. Ah, pour Dumet, c'est pareil. Cécile, qu'est-ce que c'est? Il cherche clairement à cacher qui il est. Non, c'est plus que ça. Il y a un conflit dans son identité. Je sais que c'est... Tu peux arrêter de parler, Erin, s'il te plaît? Il est je sais que c'est ton fils, entre mais je t'ai épousé toi, pas lui, et puis c'est à ton ex-femme de l'empêcher de faire n'importe quoi, pas moi. Du type normal qu'il est je le reste du pas, temps. Peut-être que je suis déjà peut-être. Déprimée. Ouais, ouais bah, arrêtez de parler sur lui. Je pense que t'aurais pu devenir une tueuse. Jusqu'à maintenant. Pas, peut-être que je suis déjà déprimée, rien qu'en pensant à ce voyage. Ce n'est pas que j'avais l'esprit quand tu as parlé de m'emmener sur une île déserte, une île secrète. Wow. Je me fiche qu'il s'agisse de Harrison Lee, le célèbre auteur de romans d'épouvante. Ok, c'est Cécile qui a écrit. Ah, on a un secret. Cher Kurt. Je me suis dit que ce serait plus facile de t'écrire car j'ai tendance à m'énerver quand j'essaye de t'en parler. Je ne vais pas bien. Je sais que je ne m'entends pas avec Thomas. Je ne comprends pas pourquoi il dit il doit toujours nous accompagner. Tu as Thomas, ma amie, qui était insupportable et j'en ai marre de l'avoir dans les pattes. On ne sait pas qui c'est Thomas. Thomas. Ah si, Thomas. C'est le flic? Non? Non, c'est pas le flic. Le flic, c'est Hector. Et Hector, c'est Monsieur Dumet, je crois. Oula! Ok. D'accord. Il y a des câbles. Ok, alors attendez, parce que là on a des câbles.
Forcément, ils sont rouges et jaunes, je les vois. Ça va vouloir dire quelque chose. Là, je ne sais pas où je vais. Ok, il y a des cadres vides. Ok, non, là, je suis enfermée, d'accord. Je vois rien, ça me stresse. Allez, faut pas être claustro. Jamie, tu fais peur, là. Je fais flipper. Merci beaucoup, Noémie, pour tes 3 euros, merci infiniment. La dernière prémonition, c'était le tournevis. Ah ouais, donc on n'a pas eu de prémonition depuis un long moment. Mais là, j'en viens d'ici. Hein. On est ah non, j'en viens pas d'ici. Ah, une petite prémo, s'il vous plaît. Ah, Kate, t'as trouvé quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé, Kate? Ah, le panneau électrique! Ah, il nous manque un truc, là. Il manque quoi? Une manivelle? Ouais, il manque un truc, là. Bah, elle est où, la manivelle? Trouver l'interrupteur manquant. D'accord, ok. Bon. Bah, je sais pas où c'est. On va regarder, hein. Putain, il pleut de ouf, là. Oh là là, je sais pas où je vais, hein. J'essaie de regarder par terre, parce que un interrupteur s'est tombé par terre, peut-être. On vient de... Ah, il y a un truc qui brille en haut. Alors, je sais pas trop... Mais j'ai vu un truc briller. J'aime pas... Pourquoi on est serré comme ça? Ok. Ah, il y a une photo, là. D'accord. Et... Punaise, là, je peux pas passer par là. Donc là, je suis obligée d'aller là. Et les câbles électriques sont là. Ah, je monte. Ok, je monte. Suis les fils électriques. Pour trouver la manette? Je suis pas sûre, hein. Attendez, parce que là, on découvre un truc. Ah, bah, elle est là! La manette est là! Yes! Trop bien. Essaye de suivre les fils électriques, peut-être. Bah, attendez, d'abord, on a trouvé la manette. Je pense que... Il nous fallait la manette. Et là, il y a un truc qui brille, là. Oh, c'est quoi, ça? On va peut-être pouvoir le démarrer. Ah! C'est quoi, R? Je sais pas ce que c'est, R. Je sais plus. Ah, ça doit être un truc rond. Alors, attendez. Déjà, il faut que je remette le machin électrique. Oh, punaise, c'était où, déjà? Je me souviens plus où c'était. Ah! Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Bon, les cocos, là. C'est où? Le bidule chouette électrique, là. Non, c'est pas là. Je vois rien. Mais je suis aveugle! C'était où, le panneau électrique? Là, les fils? Si je suis les fils, c'est là? Ah oui, oui, c'est là. Allez. Hop. Vas-y. Et là, tu appuies. Ok. C'est quoi, R? Ah oui, R, c'est le... Ok, c'est le joystick. J'ai 11 ans, je peux regarder. Je te déconseille, sincèrement. C'est un jeu d'horreur, il fait peur. Il y a des corps, il y a du sang. Voilà. Inspecter le panneau électrique. Alors oui, maintenant je dois aller au panneau électrique. Alors le panneau électrique, comment j'y vais déjà? Je sais plus par où c'était. Non, c'est pas par là. C'est par là. Elle est petite, elle peut courir facilement, elle. Hein. Moi je suis une grande perche, je cours pas. Non, je croyais qu'il y avait un truc par terre, mais non. Ok. Je sais pas sur quel bouton je dois appuyer. Troisième. Oh! Et je fais le premier, je l'avais pas fait. D'accord, ça les fait danser, ok. Ah, il y a un passage secret! On y va? Let's go! Oula, pardon, je viens de bouger ma chaise. Je me mets bien. En vrai, j'ai trop peur parce que pourquoi on s'enfoncerait dans un passage secret comme ça, là? Qui fait ça? Qui fait ça? Eh ben, nous. Nous, on fait ça. Qui a vu les cadavres? Or, après, c'était pas des cadavres, là. C'était des... Comment dire? Des mannequins. Lumière rouge, ça sent pas bon et la musique, c'est flippant. Ah non, mais grave, hein. Je suis d'accord. Non, mais redescends, meuf. C'est bon, là.
Oh là là. On est dans un sous-sol de je sais pas quoi. Oh là 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 là, un vieux bar. Attendez, faut qu'on chope une prémonition là. Il y a une prémonition à choper. Oh. Oh, c'est quoi ça? Bonjour Chicago. Ah, vidéo. Ce matin, nous ouvrons ce journal avec un flash spécial. La police de Chicago a confirmé aujourd'hui la découverte d'un corps dans un entrepôt abandonné dans le district de Fulton River. Le corps a été identifié comme étant celui d'Hector Monday, agent du FBI. Monday était le fameux tueur en col blanc, dont la récente série de meurtres a semé la terreur dans la région de Chicago. Il est mort, Hector, donc c'est pas le tueur, là ? La police a confirmé que Monday avait assassiné 4 personnes. Parmi elles, l'agent Patrick Stanley, un vétéran qui avait passé 22 ans dans la police et qui a trouvé la mort hier soir. L'incendie a été rapidement maîtrisé aux alentours de 5 heures ce matin. Le corps retrouvé sur les lieux était totalement calciné, mais la police a été en mesure d'identifier Monday grâce à ses dossiers dentaires. D'accord, donc Hector Monday, il est mort. Donc s'il est vraiment mort, techniquement, c'est pas lui qui nous pourchasse. Donc je m'étais plantée, en fait. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Je fais des suppositions. Y a pas une petite prémo, là, quelque part, les cocos? Non? Ah. Oh, une pièce. Oui, si tu veux. Ça nous sert à rien, les pièces. Quelqu'un m'a dit que c'est pour acheter des trucs à la page d'accueil. Bon. On verra si ça nous sert à quelque chose plus tard. Pourquoi tu montres... Eh, meuf, tu peux pas mettre ta lumière, s'il te plaît, merci? Elle sert à quoi, sans sa lumière, là? Ah, faut qu'on passe ici? Oh, putain. Mais elles nous suivent les autres, au moins, ou ça se passe comment? Mais moi, je rampe pas par terre, hein. Les filles, vous me suivez? Attendez, tu peux regarder si elles te suivent, s'il te plaît. Eh, meuf, s'il te plaît, me saoule pas, Irine. Les filles? Pourquoi elles me suivent pas? Je suis toute seule. Oh! Elles m'ont abandonnée? Je suis toute seule? Mais non. Mais non. Et ça me saoule, j'ai peur. Pourquoi elles m'ont abandonnée? Oui? Ah d'accord, c'est ça. D'accord. Bon, tant pis. Oh, attendez, QTE, je vais peut-être me faire attaquer. Je sais pas. Je suis un peu en mode stress de ouf, là. Oh, c'est juste derrière moi, genre. Attendez, j'aime pas, là. Il y a des silhouettes, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je peux pas avoir une petite prémo, là, quelque part? Non, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Petite prémonition, non. C'est pas envisagé, envisageable. Oh. Oh, attendez. C'est quoi cet endroit? Oh. C'est quoi ça? D'accord. Je peux pas avoir une prémo, moi? Prémonition. Ah, c'est quoi ça? Kurt Hall. Publicitaire. Je veux une prémo. Putain, mais on est enfermé, quoi. Et là, c'est quoi? C'est la maison, là. Je peux pas y aller. Bon, allez. En gros, j'ai pas le choix. On y va. Qu'est-ce qu'elles font? Elles m'attendent, elles regardent, c'est ça, en mode... C'est quand que tu viens? Oui, j'arrive, je suis là. Putain. C'est quoi, ces trucs? On dirait que des messieurs du Met. Il y en a un qui me paraît très réaliste, c'est sûr. Il y en a un qui me paraît très réaliste. Oh, c'est celui que j'ai pensé. C'est celui que j'ai pensé. Qui était de dos. Oula, Erin, tu m'as cassé les oreilles. Attendez, QTE. Je me concentre, je suis à fond. Je me concentre, personne ne meurt. Personne ne meurt, je vous le dis. Oh, je joue Kate. Pourquoi je joue Kate? Pose ton cul. Kate, qu'est-ce que tu fais? Faut que j'appuie quelque part? Non. Kate! Ah ouais, t'as perdu ton temps, quoi. Je fais quoi, là? Il a une hache.
Non, on court, on barricade rien avec une hache, il défonce la porte. Bah ouais, en deux, il a défoncé la porte, c'est bon. Kate, viens. Faisons de l'avance. Courez. Courez. Allez. Il fait trop peur. Son masque est badass, hein. Non, par contre, vous allez pas mourir là, hein. Ah non. Allez. Mais pourquoi on est toujours en hauteur? Je comprends pas, on était au sol. Pourquoi on est en hauteur? QTE, ok, attendez, là j'ai peur. Non. Pitié. J'ai trop peur. J'ai rien fait là. J'ai rien fait. Je pouvais rien faire. Hein. Vas-y, courage pour les QTE. Y'a pas eu de QTE pour l'instant, les gens. Je gère, je crois. Oh là, je joue Marc. Mais vas-y, Marc, tu nous avais manqué, le petit coco là. Trouver une issue. Alors attendez, parce que. Est-ce qu'il y aurait pas une petite primo? Oh, mais Marc, il a pas de. Il voit rien, Marc. Il est aveugle. Il a pas de. Comment ça s'appelle? Il a pas de lampe torche. Putain, m'a fait peur la lumière là. Une petite prémonition, est-ce que ce serait possible? Oh, inspecter. Ouais, d'accord. Bon, je vais aller à l'endroit qui était indiqué là-bas. Est-ce que ça brillait? Voilà. En vrai, ça va, ça brille assez loin quand même. Ah, t'arrives pas à ouvrir? Oh pétard, sérieux, Pélo? Trouver une issue, trouver un chemin à travers les vestiaires. Oh bah, bon, en fait, fallait que j'aille là-bas. Super. Allez, cours, mon loustico, là. Je suis où, là? Mais, je vois rien. Ah, j'ai ma lumière rouge. Bon, ok, super. Avec la lumière rouge, je vois un truc au moins. À travers les vestiaires. Il n'y a pas de vestiaires là. Ils sont où les vestiaires? Cette porte là, je peux pas? Bon, tu peux fracasser la porte ou pas? Inspecter, fracasse là la porte. Bon, alors si on est déjà bloqué là-dessus, les gens, on n'est pas. Le jeu est très prenant, ça oui. Mais je comprends pas, regardez. Allez, mets ma lumière rouge. Comment je fais là pour rentrer dans les vestiaires? Y'a pas une porte quelque part? Parce que là il me dit que c'est verrouillé. Oh, faut peut-être que je trouve une clé par là. Ça nous fait un peu de lumière. Ah, mais non, c'est de là d'où il vient. Ça démarre bien, je suis... Ah, cette porte-là. Non, si, c'est celle que j'ai faite, celle-là. Elle est verrouillée, on est d'accord? Bah. Merci pour les personnes qui ont mis des petits pouces bleus. Attendez. Faut que je rentre dans la piscine, non? Est-ce que je peux aller dans la piscine? Je peux pas y aller? Ah, mais si! Il doit avoir une clé, là. Allez, Coco. Putain. Pourquoi tu dis un gros mot? Tu peux pas dire « Ah, dégoûtant !» Pourquoi tu dis des gros mots, Marc? Bon, j'ai la clé, c'est bon. Changing room. Ok, les vestiaires. Let's go! Tout va bien se passer. Ah, faut que je remonte. C'était là-bas, si je me trompe pas. Voilà. Vas-y, mon petit Marco. Polo, t'es forte au jeu ou pas? En vrai, ça va. Enfin, franchement, on a utilisé que deux jokers. Et sinon... Oh, je me suis trompée.
Et sinon, j'ai fait des bons choix, les gens sont pas morts. J'ai raté aucun QTE, je crois. Enfin, QTE, pas les trucs pour respirer, ça je l'ai déjà raté. Vas-y, attendez, là, ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire dans les vestiaires? J'ai peur. Je me sens pas bien. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça me dégoûte. Y'a du bruit! J'ai entendu du bruit! Vous avez entendu du bruit? C'est quoi? Ah non, 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 mais non, non. Je vois rien. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas où je suis. J'ai peur. Ah, là-bas. Je cours. Je sais qu'il faut faire des qu'il faut trouver des... Ah! Prémonition! Mais j'ai trop peur! J'entends du bruit, j'entends du bruit, j'entends du bruit, j'entends du bruit, j'entends du bruit. Non, mais 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 les couloirs comme ça, c'est pas... Non. Eh, vous moquez pas de moi, hein. C'est pas gentil de se moquer. C'est pas gentil d'être méchant. Faut que je passe là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Fallait peut-être pas que je passe là. Je vais me faire choper les pieds. Je vais me faire choper les pieds. Je vais pas regarder. Ça me saoule, ce jeu me saoule. Mannequin de rla, là. Je fais quoi, là? Je fais quoi? Qu'est-ce que c'est? Tout ça pour une pièce? Pourquoi? Non! Moi, j'aime pas ça, en fait. Je m'en fous de ta pièce de cacabouda, j'en veux pas. Je dois repasser, là? Oh, putain, pourquoi j'y suis? Les gens, j'ai peur. Les gens, j'ai peur. Les oboys, mais vas-y. Mais ouais, tout ça pour ça. Les gens, j'ai peur. Je suis désolée si je crie, hein. C'est... Je contrôle pas, en fait. Je fais du mieux que je peux. Y'a pas de prémonition, là? Ah, attendez. Prémonition. Oh, je l'ai vu, je l'ai vu. Attendez, c'est quoi? Regardons. Ok. Ah, ça fait plaisir. Donc Marc, il peut crever avec un truc qui lui transpercera la gorge. Très bien. Casse-toi, Marc. Casse-toi. Ça sent mauvais, ça sent mauvais, ça sent très mauvais. J'ai failli mourir, là. J'ai failli mourir, là. J'ai failli mourir, là. La dinguerie. La dinguerie. La dinguerie. Oh, Charlie! Oh, mais ça fait trop longtemps, Charlie! Charlie le King! Charlie Bébou! Marc. Allez, on doit trouver Marc. C'est pas où est Charlie, c'est où est Marc. Bon, allez. Je pense pas qu'il va y avoir des promunitions ici, ou alors c'est posé par terre. C'était une pièce, je suis sûre que c'était une pièce. C'est bon, j'en veux pas de ta pièce. Marc. Hey, Marc. Ça peut servir. Ah, je croyais que ça allait s'ouvrir. Bon, bah non, je retourne là alors. Ah, il y a un petit bug là, on te traverse, Charlie. Vous êtes tranquille en train de discuter et conjuguer la trop peur. Bah écoutez, je fais ça pour vous, hein. Attendez. Donc je dois ouvrir la porte. Il doit y avoir un truc ici, là. C'est où? Ah, là. Je peux y arriver. Mais oui, Charlie, tu peux y arriver. T'es le king.
T'es le king, Charlie. J'arrive bientôt. Ah, coucou Chanel. Ah, interagir. Machin déplacé. Oula, 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 oula. Ah, je peux ouvrir la porte, là, c'est bon? Je sais même pas ce que je fais, hein. Ok, j'ai ouvert la porte. Genre, là, je bois. J'y vais à la wall again. Donc, ah non, ah, c'est interagir. C'est pas ça que je veux. C'est quoi? C'est X? X, je l'attrape? Ah oui. Je sais pas, je pense qu'il faut que je le sorte. Mais je sais pas où. Je sais pas du tout où faut aller, là. Il faut aller où? Ah, peut-être là. Je suppose, ouais. Vas-y. Ok, non, faut pas aller là. Faut aller où? Bah, je sais pas, moi. Elle triche parce qu'elle monte sur les murs. Mais elle devrait pas. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, je triche pas. Si t'es là pour dire que je triche, tu peux partir, s'il te plaît. Ou mes modérateurs te banniront parce qu'on n'a pas... On n'a pas que ça à faire, des gens qui disent n'importe quoi. Ah, c'est peut-être là, par contre. Parce que là, je vois que le barbelé, il est ouvert. Ça, vous voyez, c'est des signes quand tu joues aux jeux vidéo. Des fois, t'as des traces sur les murs, etc., comme dans les Lara Croft et tout. Et là, les barbelés, ils sont ouverts, donc c'est peut-être là que je dois passer. Maybe. Hop. Si c'est ça, je suis trop forte. Ouais ! Trop bien. Elle recommence quand un perso meurt, après, c'est pas grave. Elle recommence quand un perso meurt. Là, on n'a rien fait aujourd'hui, wesh. Eh, hey, mais oh, c'est la première fois que je joue à un jeu d'horreur, si t'es pas content, tu t'en vas, en fait. C'est simple, aussi simple que ça. Genre, franchement, j'avais pas envie de perdre les personnages. J'ai demandé à ma communauté qui a voté que j'avais 3 jokers. J'en ai utilisé 2 sur 3. J'ai pas encore utilisé le 3ème, mais j'espère que je l'utiliserai pas. Voilà. Maintenant, tu te calmes, hein. Pas me prendre de le chou. Oula, je sais pas où je vais. Là, je... J'y vais, mais je sais pas où je vais. On a eu une prémonition. Ah oui, c'est vrai, on a eu une prémonition, Chanel. C'est sur Marc. Je crois qu'il se fait transpercer par un truc. On va éviter, hein. Ce serait bien. Par contre, lui, là, je peux rien voir avec lui. Je vais où, là? Je sais même pas où je vais. Ah, là-bas, il y a de la lumière. Vas-y, cours. Marc. Ouais. C'était un chien, c'était un animal à quatre pattes. Je pense pas que c'était un chat parce que c'était gros. Ou alors un loup, c'était un loup. J'aime pas cette musique, j'aime pas ce bruit, j'aime pas. Ah, je peux pas passer. Ah, là-bas, il y a une petite porte. Je suppose que je peux pas passer non plus. Donc là, ici, je peux grimper. Ouais. Coucou, la Videma, comment tu vas? Bon, je suis pas contente. Ah non, mais attendez, parce que... Moi, je suis gentille, hein. Franchement, je suis une gentille youtubeuse, toujours bienveillante, qui vous parle et tout. Oh, pétard, le chien. J'avais raison, c'était un chien. Je suis une gentille youtubeuse qui vous répond à vos commentaires tout le temps, qui essaye d'être bienveillante en permanence, parce que bah, c'est important pour moi. Et quand je me prends, elle a triché alors que j'ai rien fait, c'est bon. Je suis pas contente, c'est pas contente. Ça, va chercher. Pourquoi tu dis c'est ça, va chercher? Charlie, des fois, t'es border quand même, hein. Oula, il y a de la lumière là-bas. Regardez. C'est quoi là-bas? J'ai l'impression qu'on se rapproche de là où étaient les filles, non? Je sais pas du tout où je dois aller. Hein. Alors, je suppose que ça, c'est fermé. Ouais, ok. Mais donc oui, tout ça pour dire que c'est la première fois que je joue à un jeu d'horreur comme ça. C'est pas facile pour moi. Je suis youtubeuse Sims 4. Je suis pas youtubeuse jeu d'horreur. Hein. Donc les personnes qui sont pas contentes, franchement, bah, c'est pas gentil. Équilibre. Attendez, on va s'entraîner un peu avec l'équilibre. Et c'est là que je meurs, tu sais. Vous imaginez, je meurs sur ça. Tu triches pas, je savais pas que t'avais des jokers. Ah bah, faut regarder la rediff. Parce que pendant la rediff, c'est les abonnés qui ont voté pour les jokers. Un ascenseur. Ça m'étonnerait qu'il fonctionne. Ça se tente. Ça se tente, t'as raison, Charlie. Mais ça fonctionne pas. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais. Mmh,
Là, on a une vue d'ensemble. Ouais, non. Ah, c'est là. Oh ! Ok, là, je peux grimper. Oh, il est fort, il est costaud pour grimper, quand même. Par contre, j'aime pas. En plus, il y a... Ouais, j'aime pas. J'aime pas. J'ai peur, j'aime pas. Il va glisser sur la corde, va avoir des couteaux, là. J'ai peur. Attendez, je me concentre pour les QTE si jamais il y en a. Moi, à ta place, je me pisserai dessus. Eh ben, écoute, au moins, je me fais pas toucher dessus. Ah, ah. J'ai pas eu de QTE. Je disais, au moins, je me fais pas pipi dessus. Mais j'avoue que je suis un peu stressée, quand même. Non, c'est Marc. C'est Marc, je le tape pas. Ne m'approchez pas, Charlie. J'ai reconnu la veste de Marc. Tu m'as fait flipper. Et toi, t'as failli me tuer. J'ai cru que c'était du maître. T'as cru quoi? Comment t'as fait pour t'en sortir? Ouais, ravi aussi de te voir, gamin. Oula. J'ai bien failli finir cramé. Je sais. La discussion est bizarre, là. Vous avez vu? C'est quoi ces conneries? Vous avez vu? Comment t'as fait pour t'en tirer? Où sont les autres? Mais il pose des questions, il répond pas, il répond par une autre question. On a été séparés alors qu'on essayait de s'enfuir. Le bâtiment a été fait de piège par Dumet. Il nous a fait faire ce qu'il voulait. Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on retourne à Ferry. Dumet l'a désactivé. On était d'accord pour aller au phare. Peut-être qu'on peut envoyer un SOS. Il n'y a pas de bonnes nouvelles du coup. Eh bien... Ah, j'ai cru que on va pouvoir voir quelque chose avec la flamme. Ah, super. Allume ton truc, s'il te plaît. Oh, merci. Ça fait du bien. Coucou, Jax. Comment ça va? Ok, je te suis. Ah, très bien. Oula. T'es un peu un Toy Life, toi. Le petit bidou. Rentre le petit bidou, Charlie. Je sais pas où je vais. Hein. Je suis Marc. Bon sang. Oh, là-bas, c'est l'océan. D'accord. Il n'y avait pas une petite prémonition par là? Non. Il n'y a pas l'air. Est-ce qu'on peut mourir en sautant dans le vide? La porte, je suppose qu'elle est fermée. Oui, bon, c'est souvent comme ça. Je dors debout. Oh, t'es fatigué. Il faut trouver un moyen de grimper. D'accord, ok. Je vais trouver un moyen de grimper, tranquille. Attends, allume ta torche, parce que là, parce que je vois rien. Allume ta torche. Merci. Je vois rien. Il est où le moyen de grimper, là? Oh. Ah! Il y a un cube qui est... Enfin, un cube. Un truc qui est éclairé, là. Faut forcément que je fasse quelque chose avec. Alors, comment je fais ça? J'en sais rien. Ah, une échelle. Ok, c'est bon. Coucou, Aïda. Comment tu vas? Je découvre un modo inconnu. Alors, c'est pas qu'il est inconnu, c'est que ça fait très longtemps qu'il avait pas pu venir. Alors, X déplacé. Bah, on fait du bruit, dis donc. Ok. Et là, avec le cube, là, j'en fais quoi? Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. J'appelle ça un cube, mais c'est une caisse. Allez. Je sais même pas où je vais, hein. Il y a un trou, là. Attendez. Ah ouais, il y a un... Non, mais non, on s'en fout, ça sert à rien, ça. Qu'est-ce que je fais? Ah, là-bas, il y a une fenêtre. Attendez, parce que... Souvent, dans les jeux, quand c'est éclairé, c'est là où tu dois aller. Pourquoi je peux pas le pousser en avant? Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, t'es en train de me saouler, tu me donnes le tournis, là, Charlie. Tu sais faire quelque chose de tes mains ou pas? Parce que... Allez, tire. En arrière! Il marche pas le joystick là. Mais t'es bloqué par quoi, Charlie?
Bon, soit c'est un bug du jeu, soit c'est moi qui suis nulle, mais... Je sais pas pourquoi il est bloqué, Charlie. Pousse-le. Tu peux pas le pousser? Non mais c'est une blague, y'a rien là, y'a littéralement rien. Mais il veut pas le pousser. Mais vas-y! C'est quoi ce bug? Regardez, je... Je comprends pas. Mais mec, t'as un souci là. Tire-le vers toi. Mais tire-le! Pourquoi je peux faire que le pousser en avant? Non mais y'a un bug. Regardez, y'a un bug. Je suis comme cloisonnée entre deux endroits. C'est... Je peux pas aller plus loin. Regardez, c'est figé. Ah bah super, on va bien avancer là. Ah mais je vais pas recommencer de zéro. Attendez, je vais quitter parce que... Retour au menu principal. Je pense qu'il y a un bug. Je sais pas s'il faut que je relance le jeu ou pas. C'est relou. Jouer seul, allez. Attendez, on était à fond dedans là. Vous pouvez pas nous faire un bug comme ça, hein. C'est pas possible ça, hein. Je suis pas d'accord. Non, quitte pas. Si, regarde, c'est bon. Regarde. Je crois qu'il y a un bug sur ce chapitre. Mais non, c'était pas un bug. Comment ça, c'était pas un bug? Bon sang. Bah, de toute manière, je suis au même niveau, hein. S'il me faut, c'est pas très grave. Mais pourquoi tu dis que c'était pas un bug, meuf? Je pouvais pas le déplacer, le truc. C'est pas là où tu devais aller. Mais on est d'accord que je dois aller à la fenêtre qui est là-bas? Ah, attendez. Mais je peux y aller toute seule à la fenêtre, en fait. Ah. Bah, c'est quand même bizarre que le truc se fige. Je veux dire, quand t'es dans un jeu réaliste, normalement, ça se bloque pas comme ça par magie. Au moins, laissez-nous nous tromper si on veut se tromper. Je crois qu'il fallait emmener vers la porte pour grimper. Oui, c'est peut-être pour ça, t'as raison. Bon, c'est pas grave, on n'a rien perdu. Alors, en vrai, là, je sais pas où je vais. Je tente. En fait, moi, de base, je voulais aller là, tu vois. Attends, allume ta torche, s'il te plaît, j'ai peur. Allume ta torche. Pélo, allume-la. Merci. Il y a une prémo. Il y a une prémo. C'est quoi, ça? Non mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette prémonition? Pourquoi il y a des gens en tenue d'astronaute? C'est quoi ça? Mais c'est quoi cette prémonition? Des gens en tenue d'astronaute, je comprends pas. On va jamais être habillé en tenue d'astronaute, c'est pas possible. C'est une pièce, ça? Je suppose. Des gens en tenue d'astronaute. Alors ça, c'est pour le jeu suivant, c'est un clin d'œil. Ah! Ah d'accord, il y a un autre jeu qui va passer. Attendez, il est pas censé avoir sa carte, lui, là? Ah oui, si, sa carte pour ouvrir les trucs. Okay. Si c'est pour une pièce, vas-y, je vais être saoulée. Oh! Ah, un document, c'est intéressant. C'est le prochain Dark Picture. Ah, dans l'espace! Ok! Ah non, pourquoi t'as lâché le document? Pélo, me refais pas tout. Vas-y, ça me saoule. Tout ça parce que j'écoute mes abonnés, là. Non, mais Pélo, tu l'as débloqué! T'es sérieux? Mais... Oh là là! Il a un souci, hein. Dossier médical, nom du patient Munde Hector Wallon, médecin de famille. Ok, on est dans les années 72. Aujourd'hui, j'ai reçu une consultation. Hector, garçon de 7 ans, il était accompagné de sa mère qui m'a dit qu'Hector ne se sentait pas bien et qu'il était très fatigué. J'ai ausculté Hector et il semble souffrir d'une légère malnutrition. Ah, il est maigre et son teint est très pâle. Aujourd'hui, j'ai reçu une consultation Hector à la suite d'une hospitalisation pour une bronchite aiguë. Hector avait perdu connaissance à l'école. Après 2 semaines d'hospitalisation, il se rétablit bien. Il a sûrement contracté ce virus en fréquentant d'autres enfants à l'école, son système immunitaire étant affaibli par la malnutrition. En examinant la poitrine d'Hector, j'ai remarqué des hématomes sous ses aisselles et sur ses épaules.
conséquence de chamaillerie à l'école. J'ai conseillé à Hector d'éviter les jeux trop brusques. Bon. Si vous voulez, vous pourrez faire pause pour lire, hein. Même si je lis le plus que je peux. À ma demande, j'ai reçu aujourd'hui en consultation Hector. C'est presque complètement remis de sa bronchite. Ses hématomes ont empiré, causés par une force non négligeable. Plus celle d'un adulte. Oula, est-ce qu'il se faisait battre, Hector ? J'ai reçu en consultation Hector, il est venu accompagné de son grand-père Georges. Les précédents hématomes d'Hector se sont résorbés. Le grand-père m'a demandé d'examiner les jambes de son petit-fils. Les chevilles étaient gonflées avec des coupures, comme si le garçon avait été attaché. Il soupçonne la mère d'Hector de maltraitance. Ok, donc Hector s'est fait maltraiter. Mais en vrai, moi je pensais que Hector c'était le gars là qui nous pourchasse, mais non, pas du tout. Bon allez, on y go là, on continue l'histoire, c'est bon. Donc le prochain Dark Picture, bah en vrai vous savez quoi? Je sais pas quand il sort le prochain Dark Picture, mais quand il sort, en vrai on peut le faire. Hein. Oh non, ah, c'est... on peut le faire. Pourquoi pas? Je préfère le dire si jamais vous connaissez pas non plus. Ah, merci Alix pour les rappels. Je suis de retour sur le live, j'ai dû partir parce que j'ai fait... Pas de soucis, pas de problème. No problem. Tudududu. Allez. Donc, il faut qu'on grimpe. Hop là. Par contre, Pélo, faut que tu te pousses, hein. Non ? C'est pas là que je dois aller ? Punaise, mais c'est où que je dois aller si c'est pas là ? Ah, c'est à côté. Ok, Marc, bouge. Allez. Pourquoi je sens qu'on va se faire attaquer ? Je sens quoi ? Merci beaucoup, Tracy, pour tes 5 euros. On t'adore, ton jus ne change pas. Merci infiniment, c'est trop gentil. Merci, merci. Je te fais une moitié c'est de cœur. C'est quoi cette odeur ? Je tiens la manette dans l'autre. Allume ta torche. Oh, waouh. J'ai vu un chien tout à l'heure. Oui, moi aussi. Il m'a flanqué une de ses trouilles. T'as dû l'effrayer en te mettant à paniquer. C'est quoi ça? Two victims discovered with head sweet. Oh, la tête, ok, d'accord. Deux victimes découvertes, leur tête échangée. Une nouvelle scène macabre a été découverte dans un entrepôt abandonné de la banlieue de Dalton en Géorgie. Les deux victimes seraient les dernières en date sur la liste du tueur imaginaire. L'agent Moonday du FBI rapporte avoir découvert des machines intégrant des morceaux de corps de précédentes victimes. Moonday décrit ces animatroniques comme l'œuvre d'un esprit malade. Ok, donc là en fait, donc Hector qui était du FBI, il était sur la suite d'un mec comme ça quoi. Attendez. J'ai peur. Je vais me rater. Non, faut croire en soi, conju. Il sait qu'on est là. Il sait qu'on est passé par là. Merde. Charlie, ferme le capot. Charlie. J'ai peur. Chut. Reste calme. Pourquoi il ouvre le capot? Mais c'est pas possible d'ouvrir le capot. Il t'a vu là? Mais Pélo. Attention, je vais devoir appuyer, faut pas que je me trompe. C'est bon.
C'est bon, il s'en allait. C'est bon, il s'en allait. Bon, il a fermé la porte, mais c'est bon. Oh, trop bien. C'est bon. GG, merci. Mais d'où Jésus Charlie, j'avais envie de le taper. Coucou Chanel. Merci pour les follow, bienvenue sur la chaîne. Rejoindre le phare, quitter le cabinet de conservation. Ah, ça c'est un cabinet de conservation, super, je savais pas que c'est... Oh. Ah, il y a des caméras. Ah. C'est les caméras de là où on était, avec les filles, du labyrinthe. Oh mon dieu. Que... C'est quoi tout ça? Il conserve ses victimes. Pourquoi? Parce qu'elles sont précieuses pour lui. C'est des trophées. J'ai envie de vomir. Des souvenirs. Bon, allez, tu mets c'est tout un tas de trucs. Tu crois qu'on a affaire à plusieurs personnes? Comment ça? Pour entretenir cet endroit, les robots bizarres... Screamer, attention! Un homme seul peut faire tout ça? C'est un seul homme. Un homme très motivé. Ah non, il n'y a pas eu de screamer. Et complètement malade. La vache. Ah! Oh, mon Dieu. Ça me dégoûte. Oh, il y a une lettre. C'est quoi? Alors... Monsieur Lee Harrison, sujet déclaré mort par asphyxie. Le sujet a été lavé, congélation non requise grâce à l'utilisation de la solution de formaldéhyde. Corps déplacé dans le cabinet pour commencer le processus de conservation. Oh ! Ah ouais, en gros, il note les étapes de décomposition, qu'est-ce qu'il doit faire, à quelle heure, quel jour, pour les garder, les corps. Bon, franchement, si vous avez envie de lire, vous lisez, mais moi, je vais pas tout lire, hein, voilà. Bon résultat, signe de rigidité aux extrémités. Ah ouais, c'est glauque, c'est glauque. Vérifiez dans une semaine, allez. Vous mettez pause si vous voulez lire. Moi, je ne veux pas lire, c'est bon. Le truc de cadavre, là. Oh my god. Non, c'est pas ce que je voulais voir. Charlie, avance. Allez, mon petit Charlie. C'est là que je voulais inspecter. Étape 1, fixation. Étape 2, dissection. Étape 3, ablation de l'eau et de la graisse corporelle. Étape 4, imprégnation, je me sens pas bien. Positionnement, repos, vas-y, c'est bon, je veux pas voir. Stop, stop, stop. Coucou tout le monde, coucou les personnes qui nous rejoignent. Bon, pour l'instant, personne n'est mort, hein. Juste, je tenais à dire ça et j'ai pas utilisé de joker. Alors, hein, oh, fufufu. On va où, là? On va où, on fait quoi, on passe par où? Y'a pas une sortie, là? Ah, faut qu'on revienne sur nos pas. Putain, la caméra, là. Alors. Je sais pas où faut qu'on aille. Il est parti par où, le gars? Mais c'est de là où on est sorti. On sort par là, c'est tout? On peut pas passer par là. Ah bah non. On doit aller où? Je ne sais pas où je vais. Ah, inspecter. Mais non, on l'a déjà vu. Oh, sérieux, pourquoi on peut pas avoir plus de luminosité? On peut pas se faire la courte échelle, là? Faut grimper à l'étage, là. Tu me fais la courte échelle, non? Non? Y a pas un truc à tirer? Pourquoi je vois rien? Ah, si, y a ça à tirer, punaise. Tu pouvais pas le dire plus tôt, Marc? Non, non, c'est trop te demander, hein. Ben oui. Je rigole, Marc, t'es gentil. Alors, je crois que je vais au bon endroit, mais je suis pas sûre. Hein. Je crois que je vais au bon endroit. Bon, je suppose que je suis au bon endroit. Mais elles sont où, les filles, Erin et tout ça? Bah là, pour l'instant, on est avec Marc et Charlie. On va retrouver les filles après, je suppose. Dis-moi que tu peux grimper, s'il te plaît. Oh, putain. Vas-y, tu peux pas grimper, bien sûr. Faut que ce soit pile en face. Oh, c'est pas par là que je dois passer, c'est ça? Pour moi, c'est par là que je dois passer. Enfin, ça me paraît être assez obvious. Allez, Coco, s'il te plaît, là. Fais un effort. Fais un effort, Charlie. Charlie, bouge ton popotin, s'il te plaît. S'il te plaît, Charlie. Charlie! Monte! Pourquoi il monte pas? Charlie!
Vas-y, ça me saoule. Waouh, faut que tu passes par le côté, très bien. Et là, tu montes, bravo. Oh, merci, Charlie. On félicitera Charlie pour son temps de réaction. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une pièce. Je m'encarre le coquillard de ta pièce. Oh, il y avait un cadavre ici, c'était glorieux. Avançons, continuons, Marc, rejoins-moi. Oh, pétard, il y a des cadavres de partout. Allume ta lampe torche, s'il te plaît. Attention, il va y avoir un screamer, c'est sûr. Non ? Pas de screamer ? Qu'est-ce que je fais ici ? Ah, il y a un trou ! Faut que je passe... Non, faut pas que je passe ici. Non, faut que je passe là, je pense. Allez, Charlie. Une lettre ? Non. Une prémonition ? Non plus. Bah, en fait, si, il faut que je descende dans le trou, je suppose. Ah ! Inspecter. Oh, punaise, Charlie. Ah non, déplacer. Ok, je pousse le gros truc. Très bien. On va y arriver. Pas de soucis, Sébastien. Oula, je sais pas où on est, là, par contre. Pourvu que ça tienne. Pourvu que ça tienne. Bah, j'espère bien que ça va tenir, Coco. Charlie. Voilà, descends. Allez, Charlie, tu peux le faire. Coucou, Roman, comment tu vas ? Il y a des cadavres partout. Où ça se passe comment ? Ah bah oui, là c'est sa zone où il les conserve. Wow, wow. Oh pétard, ok. Je vois le délire, allez hop, c'est parti. Ah, il y a de l'eau en dessous, ça va. Si on tombe dans l'eau, c'est pas grave, on meurt pas. Marc en premier. Allez, let's go. Mais Charlie, il a du mal aujourd'hui, un peu. Ah super, comme ça il nous en reste plus qu'une pour nous, c'est ça. Merci, merci Marc. Allez, t'inquiète, tu vas gérer. Tout va bien. C'est bon là, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'avais raté, il allait tomber, c'est bon. Ouh. Mais attends, mais il est super loin le phare là. Oula, on est avec qui? Les filles? Ok, on est avec Kate et Jamie. Sans Erin, très bien. Ouh, merci. Où est passée Erin? À 3h58 du matin. Elle le sait. Oui, on doit tous aller au phare, on a compris. Allons au phare. Vachement stressée là, je vais pas vous cacher. Je joue qui? Je joue Jamie ou Kate là? Jamie, j'ai trop habitude de jouer Jamie. Explorer la forêt. Je m'inquiète pour Erin. Elle est plus forte que ce que tu crois. Imagine qu'elle soit blessée. Si on se disperse. Ah, il y avait un truc par terre. Je suis sûre que c'est une pièce de caca Bouddha. On s'en tient au plan. Et si elle était pas en mesure de s'en tenir au plan? S'il te plaît, vas-y là. C'est une pièce, je le savais, on s'en fiche royalement. Bloup, bloup, bloup. Allez, ciao. Bon, faut qu'on aille où? Pourquoi t'es accroupi là? Ah, faut qu'on aille là-bas. Je suppose. Oui. Donc là, on est en mode forêt. On est dans la forêt, on se balade tranquillement. Ok. Erin est séparée. Oui. Ah, examinez. Attendez. C'est quoi ça? Ah, c'est des cartes. Secret. Ouais, c'est ça. California. Morello. Francis Morello. C'est le mec? C'était lui? C'était Francis Morello? Non, celui qui nous a appelé pour qu'on vienne. Oh. Une autre photocarte. Merci pour cette super journée, tonton Francis. Oh, c'est trop triste. Ils sont morts.
Bah, tu veux que je te dise quoi, hein? This is life. On peut descendre ou pas? Non, on peut pas descendre par là. Je sais pas trop ce que je fais, j'avoue. Là-bas, il y a un pont. Est-ce qu'on doit aller par le pont? Non. Allez, on y go, là. Comment elle court, Jamie? J'ai l'impression qu'elle fait un peu du surplace. Je croyais que les choses iraient mieux une fois qu'on serait sortis. Wow. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Il y a quelque chose là-bas. C'est une forêt. Ça peut être n'importe quoi. Attendez, j'ai pas envie de rentrer dans la maison tout de suite. Je peux pas passer là? Je me demande s'il y a des caméras ici aussi. Je suis déjà morte de trouille, pas la peine d'en rajouter. Pour aller là-bas. Ah, il y a un truc là, non? Non. Bon, écoutez. Nous allons rentrer dans la maison. Jamie! En général, c'est là que tu évoques le fiasco de Topeka. Je donnerais la couille gauche de Charlie pour être à Topeka. Topeka, c'était un truc qu'on a fait. T'entends ça? Soi-disant. Quoi? On dirait. Avant ce, un autre court-métrage. Documentaire. Et ça avait tourné au fiasco. Sauf que pas autant que là, je pense. Ah, c'est le chien! Ah, il a été attaché. Super. Mais va te cacher. Kate, cache-toi. Cache-toi. Nous, on prend le chien, d'accord? Pourquoi on prend le chien? Pour pas qu'il fasse de bruit? Bon, pétard, je sais pas. Il a la hache. Il a la hache. Ah non, j'aime pas ça. Hein. Ça va, mon grand. Je te veux pas de mal. J'ai peur. Merci beaucoup pour les follow. Merci. J'ai entendu le bruit. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Oula. Pourquoi elle voit un bout de verre cassé, là? Non? Non? Jamie, ça va pas ou quoi? Mais il va crier si tu le tues dans tous les cas. T'es bête ou quoi? Jamie, tu vas pas tuer un chien? Non? Non? Mais elle est débile! Dans tous les cas, il va avoir mal, le chien, il va péter un plomb, il va faire du bruit! Tu vas pas le tuer? Quittez, j'ai peur, attendez, je me concentre. Non. Kate, la queen. Kate, la queen. Kate. Courez. Allez. Mais courez, vous faites quoi là? Cache-toi. Comment ça, cache-toi? Ok, d'accord. Yes! Personne n'est mort pour l'instant! J'ai l'impression dans le chat que vous êtes en train de dire que ce moment-là, j'aurais pu perdre quelqu'un. Oula, la chance, t'as pris la bonne décision. Oh, merci! Ok, donc en fait, si j'avais dit à Kate de rester avec moi, elles seraient mortes toutes les deux? Oh pétard! Oh non, elles sont passées par là. Oh, ça a signifié un truc. Vous avez vu, il y a eu un fil rouge là. Un laser rouge. Le chien est mort. Non, le chien est pas mort, je l'ai pas tué, ça va pas ou quoi? Oh, Erin! Bon bah on va retrouver Erin, c'est bon. Erin, je suis content. Tu vas bien. Ah non, mais je ne tuerai jamais un chien, ça va pas ou quoi? Moi je tue pas les animaux. Erin. Je tue que un tueur qui veut nous tuer par légitime défense, mais c'est tout. Débrouille-toi. Où est Kate et Jamie? Mais pourquoi tu dis débrouille-toi, Erin? Ça va. Oh, tu sais où elles sont? Elle croit que il est dans le trou, Charlie. J'ai pas. Erin, j'ai trop peur pour les chercher. Je suis désolée. Ça fait rien. Tout va s'arranger, Erin. Charlie, il a rien fait. Elles en fait. Elles vont arriver. Il est gentil. Arrêtez un peu là. J'ai trouvé un moyen d'entrer.
Venez. On arrive, Erin. Tu joues. Erin. Bien joué, Erin. C'est ça. Tu viens pas influencé ou pas? Quoi? Oui, je sais qu'elle a influencé, mais bon. Tu es. Je t'ai entendu avec Dumet. T'as tout organisé. Tu voulais qu'on se fasse buter. Erin, t'as perdu la tête. Jamais je n'aurais. Erin, t'es tu tôt. Peux me faire confiance. 70% des meurtriers s'en prennent à des proches, à des gens qui leur font confiance. C'est 79%. Mais je ne suis pas un meurtrier. Pourquoi on n'entend pas la fin des phrases? Le plan de dernière minute, les téléphones confisqués, un lieu isolé, tout était organisé, bien joué. Mais elle est débile là, Erin, arrête. Il n'a pas l'esprit très clair. Jamais je... Marc, il faut qu'on le ligote en attendant les secours. Quoi? Sinon, mais ça va pas ou quoi? Sinon, il dira du maître de le faire. Erin. Jamais. Ta gueule. Comment elle est en train de me gaver? On ne peut pas laisser l'imiter. J'ai confiance. Non, non, j'ai confiance en Charlie. C'est bon là. Erin. Oh, je bosse avec Charlie. Ça va pas ou quoi? Elle est tarée celle-là. Un obsédé du contrôle prêt à nous entuber si besoin. Mais ce n'est pas un meurtrier. Je sais ce que j'ai entendu. Et je te crois. Mais t'es débile. C'est pas possible. C'était peut-être fait exprès. Elle a entendu un enregistrement avec des longues pauses. Franchement. Vous êtes cinglés tous les deux. Elle m'a énervée. Franchement, Erin m'a énervée de ouf, là. Oui, non, mais Charlie, qui saoule ou qui saoule pas, le but, c'est que personne ne meure. Donc, je vais pas le ligoter pour que, comme ça, Dumet puisse le tuer tranquille, en fait. Non, c'est pas logique. Coucou, Fabien, comment tu vas? Pour une ingé, son, elle fait honte. Non, mais grave, Chanel. C'est vrai, quoi. Elle a entendu un enregistrement. Il va falloir qu'on trouve comment ça marche. Il y a vraiment... Bon, allez. Pourquoi je joue Marc? Je vois rien. Je vous rassure, hein, vous voyez autant que moi, c'est-à-dire à rien. Ok, cette porte est fermée. Ah, cette porte est ouverte. Non mais là, c'est un labyrinthe, là, les gars. Je vais me faire attaquer, c'est sûr. J'ai peur. Il y a une chambre. C'est quoi ça? C'est quoi ces bruits que j'entends chez moi là? C'est des bruits que j'entends chez moi là? Je sais pas ce qu'ils font mes voisins mais j'ai peur. Preuve, adresse, police de Chicago. Affaire, numéro nanana. Date de récupération. À 6h ce okay, matin, vidéo. Moi, agent Frank Hooper, j'ai découvert qu'un ou plusieurs individus ont accédé sans autorisation aux pièces à conviction archivées au 1612 West State Street. Parmi les objets manquants, des éléments récupérés dans l'appartement de l'ancien agent du FBI, Hector Monday. Livres, vêtements, des notes, des instruments chirurgicaux et du matériel dentaire. Selon notre théorie actuelle, les individus impliqués seraient des chasseurs de trophées à la recherche de souvenirs de l'affaire. Fin du rapport. Super intéressant. Ok. Allez. Concentration. Le but là, c'est qu'on termine ce jeu. Normalement, on est en live jusqu'à 20h, 20h30. Je me suis donné jusqu'à 20h30 pour finir le jeu. Voilà. J'aimerais vraiment le finir à 20h30 au plus tard. C'est quoi ça? Dumet, artiste. Ah, mais on l'avait déjà vu cette carte. Je sais pas où je dois aller. 2 sur 5 trouvés. Ah, il faut trouver 5 cartes de Dumet? Hein? Oh, elles m'ont fait peur! Bande de fous! C'est quoi ça? Monsieur Dumet, je veux qu'il soit. Non, mais tu entends que c'est faux? Non, mais on entend tous que c'est faux? Je les amènerai ce week-end. Et. Voilà. Non, mais. Jamais de la vie, j'ai dit ces conneries. Bah oui, c'est logique en fait. Je vous remercie sincèrement, monsieur Dumet. Je veux qu'il soit mort. Je les amène. Mais on n'a pas besoin d'avoir cette preuve pour savoir, hein. Je suis désolée. Hein. Je suis vraiment trop con. Je voulais tellement que ça marche que j'ai dit amen à tout ce qu'il voulait. Oh, c'était un montage. Oui, Erin, c'était un montage. Bon sang. Je suis un gesson et je me fais avoir. Tu es sous le choc. Pardon. On l'est tous. Ne culpabilise pas. Alors, j'attends. Excuse-moi, Charlie. Bon, au moins elle s'excuse, c'est déjà bien.
Mais franchement, Erin, là, t'as abusé, quoi. T'avais pas besoin d'avoir cette preuve pour savoir que c'était un montage, franchement. Là, t'as poussé. Mais il se passe quoi? Mais c'est mon chat qui fait du boucan ou il se passe quoi, là? Pourquoi j'entends des bruits chez moi? Mais arrêtez, je suis pas bien, là, j'ai peur. Oh, pétard. Allez, monte à l'étage. Vas-y, je cours. Ah non, il peut pas. Si, c'est bon, allez, tu cours. Allez, vas-y, on y va. J'ai entendu du bruit. Il y a une gamelle pour le chien. Très bien. C'est censé être son chien, techniquement. J'ai entendu du bruit. Encore une fois, il y a des clés. Bah, je les prends, écoute. Je sais pas où elles vont, je sais pas ce qu'elles font, mais j'ai pris des clés. On dirait qu'il y a un autre bateau sur l'île. Oh! Une clé de bateau! C'est bon ça, une clé de bateau! Marc et Jennifer Edwards. Ok, super. C'est exactement ce que je dis, mais oui, Chanel! Coucou Laura, comment tu vas? Je vais où là? C'est quoi ça? Waouh, ok. Ah. Une lettre. En 65. Je t'écris cette lettre, Clarence, pour te donner des nouvelles, car voici 6 mois que je ne t'ai pas vue. Tu as un fils, j'ai accouché il y a quelques semaines. J'ai besoin de toi, je n'y arriverai pas. Toute seule, mes parents m'aident, mais ils sont tous les deux très vieux. Reviens, Clarence, je t'en prie. Elle Munde. Donc c'était la maman, Lee Munde, je crois. Oh, c'est Saijin. Coucou, Saijin. Alors, par contre, chérie, c'est vraiment pas le moment de stresser maman. Non, 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 non. C'est pas l'heure de manger, Saijin. Maman, elle travaille, là, en fait. Pourquoi il avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il avance pas? Oula. Non, Saijin, s'il te plaît, je t'en supplie, fais pas de bêtises. Oh, bordel de merde. La vie, il y a un chat dans le jeu quand mon chat, il arrive. Mais oh, JPP. Ouais, c'était une saleté de chat. Oh, punaise. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais, j'en ai marre. J'ai peur. Bon, montons à l'étage, allez. Non, Saijin, maman, elle peut pas te donner à manger là, elle doit finir le jeu, maman. Je suis désolée, mon cœur. S'il te plaît, sois sage. Allez, on monte, montons, 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 monte. Non, mais... Pff, Saijin, c'est pas possible. Chérie, là, tu peux pas faire ça parce que maman, elle a pas le temps, là. Allez. Tout va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Mon cœur, il a fait un bon... Non, mais le chat, il m'a fait peur, hein. Faut pas vous cacher. Marc, tu dis pas ça des chats, j'avoue. Ah, examiner. Ah, ça marche pas. Y a pas de courant. Oh non, on me dit pas que je vais devoir mettre le courant. Alimenter les commandes du phare. Jamais de la vie. Oula. Ok, super. Comment je fais pour alimenter les commandes du phare? Me dis pas que je dois redescendre, là! Oh non, sérieux! Vas-y, je suis en dessous. Je suis obligée de redescendre, je pense. Moi, j'ai pas le choix. On redescend! Le jeu est payant, mais pas très cher. Ouais, non, c'est pas trop cher sur Instant Gaming. Je crois que je l'ai eu au moins de 10 euros. 12 euros. Bon. Hello. Allez. Tu me trouves les machins de lumière, là? Allez, Marc. J'ai Saijin qui est en train de faire sa toilette à côté de moi, c'est génial. On doit descendre tous ces escaliers puis tous les remonter après. Non, c'est pas là. Attendez, c'est peut-être là. Y a pas un panneau électrique là? Non? Oh, ça me saoule. Mais ils sont où les autres? Ils sont pas avec nous?
Faut vraiment que je redescende là? Faut que je redescende tout? Ah, celle-là est bloquée. Cette porte est bloquée, punaise. Où est-ce qu'ils sont les tableaux électriques? T'as réussi à l'allumer? Oh, non, bah, pas encore. Je sais pas où ils sont les tableaux électriques, Coco. Tu me fais bien rire, toi. Ça, on l'a déjà vu. Je vais où, là? Je vais où? Voilà. Bon, je suppose que ça doit être par là, les tableaux électriques, non? Bah non, c'est là où on était de base. Oh punaise, c'est en train de me rendre folle. Je veux finir ce jeu, ils sont où les tableaux électriques par... La clé est bloquée, ok. Là. Je vais devenir folle. Eh, sérieux, aidez-moi. Dites-moi où sont les tableaux électriques parce que là, je vais devenir folle. Je supporte pas être dans le noir comme ça. Conjure la prémonition. Quelle prémonition? Non mais c'est pas là, hein. On n'est pas encore là. Bon, ils sont là. Ils me regardent comme ça. Ok. Ils sont où ces foutus tableaux de panneaux électriques, là? Faut que tu remontes. Ok, bon, c'est en haut. Très bien. Oh, je vous promets, c'est en train de me rendre folle, là. Ça va me faire vriller. J'aime pas ça du tout. Je me sens pas bien. Ah, inspecte. Non, mais ça, j'ai déjà inspecté. Il y a un passage en haut que t'as loupé. Oh, ok. Quel passage j'ai loupé? Bah, là, ça me paraît pas être là. Là, c'est fermé, là. Je peux pas y aller? Non, je peux pas y aller. Saijin, je t'en supplie, ne passe pas devant l'écran. Maman a déjà assez peur. Pourquoi il veut pas se bouger? Avance. Allez, mais il y a un bug avec Marc, là. Il veut plus avancer. Ah, c'est bon. Je vois rien, ça me saoule. Il y a un passage que tu as loupé. Mais où est-ce que... En haut du phare. Oh, en haut du phare. Finaise, sérieux. Fallait pas que je redescende. Bon, allons en haut du phare, alors. Oh là là. Ok. Allez, Marc, s'il te plaît. Agis. Action, réaction. Le stress que conjugue dans... En fait, moi, je suis très stressée parce que je joue dans le noir. J'ai mon chat, en plus, qui est là, qui crève la dalle, qui attend que je la nourrisse. Je veux finir le jeu. Je veux réussir à faire que personne ne meure. J'ai raté un passage. Bah, il est où, le passage? Ah, c'est là. Oh, putain, c'était là. C'était là, le passage que j'ai raté. Regarde pas en bas. On n'en voit que ça en bas, là. Regarde surtout pas en bas. Mais non, regarde pas en bas, c'est très bien. Avance, allez. Bon, c'est où l'électricité, là? C'était là, le panneau. Briser les scellés est un crime fédéral. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu. Tout ça pour ça. Viens. Il m'a fait peur. Mais il m'a fait peur. Mais j'ai cru qu'il allait mourir. C'est activé ou pas? Bon, je suppose que oui. Je peux y aller là, non? Je peux y aller ou pas? Je sais bien, Jean Sketch, je connais. Oula. En vrai, ça me fait trop rire parce que je sais pas ce que disent les gens sur le chat. Je regarde de temps en temps Saijin qui est en train littéralement de se lécher la patte sur mon MacBook, là où je lis le chat. Vraiment. Allez, on allume enfin ce phare. Vas-y. Pourquoi ça marche pas, là? Ça marche ou pas? Attention, aveuglement. Ouais! Génial! Génial! C'est ce que je dis. Bon, allez, on accouche, on fait quoi, là? On est où, on fait quoi?
Marc, dans le phare, 4h30 du matin. Prémonition. Ouais, ouais, je sais, je me souviens. Ah, il y a des cassettes. Oh, Saijin ! Qu'est-ce que t'as fait ? Oh pétard, elle avait éteint le Mac pour que je puisse pas lire vos messages. Et la vilaine ! Ouais, là-haut, Kate. Il est derrière lui. Il est derrière lui. Il y a le tueur derrière Marc. J'ai peur. J'ai trop peur. Écoutez, je vais y arriver. Par contre, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Il y a des gens qui s'envoient des messages en privé ou je sais pas quoi. Juste, ne donnez pas vos informations personnelles, s'il vous plaît. À n'importe qui, hein, s'il vous plaît, c'est important. Ne faites pas de confiance à n'importe qui. Voix de femme. C'est ça que je voulais voir, moi. Recover January 28, ok. Tout le monde est là, elle a tout cassé. Je vous écris pour vous informer d'un problème survenu sur la passerelle à Monsieur Mundé. Cette dernière étant à votre nom, il est de votre devoir de vous informer qu'un accident s'est produit, on a creusé. Pour des raisons de sécurité, il est de notre devoir de veiller à ce que l'entretien de nos parcelles... Oui, bon, j'ai compris. Vous pouvez mettre pause, hein, si vous voulez. Nous avons donc réparé les dégâts. Ok, super. Il y a une passerelle. Ça fait trop du bien. De quoi ça fait trop du bien? Que j'ai géré? Je sais pas. Ah, il y a un truc à examiner, là. Non, mais c'est ce que j'ai vu, déjà. Saijin! Ah oui, vous dites Saijin, elle a tout cassé. Oui, oui. Bah là, elle passe devant l'écran, je sais pas si vous le voyez de temps en temps. Ah ! Quelle horreur. C'est quoi ce bordel ? The boy who loved... Tu es un monstre égoïste. Depuis le début. Le garçon qui aime les histoires d'horreur. Hé. Quoi, hey, Jamie, là, calme-toi. Il était une fois un petit garçon qui adorait les histoires d'horreur. Waouh, il en lisait jour et nuit. Ah, il a gribouillé dessus. Il vivait avec sa maman qui était très sévère. Arrête de lire ses bêtises. Le petit garçon en avait assez qu'on lui dise quoi faire. C'est pas juste. Un jour, son livre lui donna une idée. Je vais me venger. Le garçon se faufila dans la maison. Il bondit sur sa mère en criant pour lui faire peur. Ah, le petit garçon aimait les histoires d'horreur. Ha ha ha. D'accord, super. Et oui. D'accord. Bon. Il voulait tuer sa mère, quoi. Très bien. Putain. Le bras, il a bougé. Toujours affilé sur ta page préférée. Bon. Petit merde prévisible. On Je ouvre. Je te connais. Oh mais meuf, ouvre la porte. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait pas une petite prémonition là quelque part? Non, pas à ce que je sache. La porte ici est fermée, très bien. Ah! Mais ils sont dans la même maison, ils vont tous se retrouver là. Normalement, c'est la maison du phare. Oh. Ouf. C'était Charlie et Erin. Ah. Tout va bien. T'as pas vu Marc? Il va bien. Il essaie de faire fonctionner ce putain de phare. Tu Marc peux dire ce phare? Pourquoi tu dis des gros mots tout le temps? S'il te plaît, dis-moi que tu m'entends. Ah non, mais il va se faire attaquer, la Marc. C'est vrai, il y avait le gars derrière lui. Quoi? Est-ce que ça va? Non mais, Marc, tu peux nous le dire, tu peux accoucher, je sais pas. QTE, je suis concentrée, QTE. Oh là là, je vais avoir des QTE, je vais les rater. Le A est en bas, le B est à droite, le X est à gauche. Allez Laura, tu peux le faire. Allez. C'est la fin du jeu. Allez. Marc, il flippe. Tout va bien. Sortez, faites quelque chose. C'est la fin du jeu. Pourquoi il y a écrit bonus débloqué? Je sais pas ce que c'est. Mais pourquoi c'est Marc qui enfonce la porte alors qu'il est pas bien?
pote Jamie, il a mal aussi. Non mais attendez, mais... Enfin, c'est pas Jamie, c'est Charlie, mais y'a rien qui va, là. Y'a rien qui va. Mais Dumet, il marche trop tranquille, genre il nous court pas après. Genre il est pas inquiet. Saïdine, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas bon, mon chéri. Oh là 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 là. C'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu. Ah, je suis choquée, je suis choquée. Non, Saïdine, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi il y a un bateau? Police? Il y a la police qui vient? Les gens, c'est la fin du jeu. Hein. En vrai, je sens qu'il y a encore un truc, c'est sûr. Hein. On peut pas juste s'échapper comme ça. Bonjour, monsieur le policier. Mais ça va, on n'a pas encore utilisé le Joker. Non, et en vrai, on n'a pas utilisé de Joker. Hein. Juste, franchement, j'en ai utilisé que deux au total, tu vois. Ah, il y a des cadavres. Tout le monde, les mains en l'air, tout de suite. Ah, oh non, c'est horrible. Il les a tués. Silence, taisez-vous. J'ai dit tout le monde, les mains en l'air. Oui, oui, vous êtes oui, là, oui. Heureusement. Vous allez nous aider. Je suis pas sûre. Tant que j'ignore ce qui se passe ici, personne ne bouge. Oh, monsieur, derrière vous, on a tué personne. Monsieur, derrière vous. Monsieur, monsieur, derrière vous. Le bateau. Vous vous fichez de moi? Bah non, on fiche pas de toi, on prévient. Aïe, 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 aïe. J'espère que j'ai pas fait un mauvais choix. Oh. Ah, il est mort là, le flic, c'est fini. Là, on y va. Attends, faut prendre le flingue. Prends l'arme. Je sais pas, je tente. J'ai peur. Yes! Il a pris un truc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, ça me coûte. Allez, courez, 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 courez. Oh, c'est la fin du jeu, les gens, c'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu. Ah, bon, en tout cas, on peut pas prendre son bateau. Ça, on peut pas. C'est mort. Allez. Le bateau du flic, on peut pas. Par contre, on peut prendre un nouveau bateau, c'est ça? Ok. Ça va le faire. Comment ça, ça va le faire? Et il lance les clés, lui, il est malade, hein. Sur de l'eau, comme ça. Ça mais, marche pas. Où est le démarreur? Là. Merde, démarre. Je le sens pas bien. Ah, il y a le chien. Hé, Connie. Ravi de te voir. Allez. Connie, il s'appelle le chien. Super, on emmène le chien avec nous. Ouh, il arrive, le tueur. Aïe, j'ai peur. Il faut que je sauve tout le monde. En vrai, là, j'ai personne de mort. J'ai personne de mort. C'est eux, non? C'est un peu trop simple. C'est trop simple à mon goût. Et pourquoi on l'a plus vu sur la berge? À mon goût, c'est trop simple. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Pourtant, il y a une musique, genre c'est fini, genre c'est tout doux et tout, mais je sais pas. Bah si, peut-être, mais c'est bizarre. On a réussi. De justesse, je vais pas... Bon, entendre. Tout le monde est vivant. Il faut appeler la police. Tu suis les lumières. Tu suis les lumières, ok. Pourquoi on regarde le sol, enfin l'eau? Vous savez, j'ai une idée géniale pour la saison 2. Quelle saison 2? Il manque plus qu'un super twist final. Eh ben, bonne chance pour vous trouver une présentatrice. Moi, je me casse. Je suis contente d'être en un seul morceau. Je l'avais dit, c'est pas fini. Elle est tombée dans l'eau, Erin. Ok, bon, Erin n'est pas morte, elle est juste dans l'eau. C'est bon. Oh putain, je vais faire la dos, je le sens. C'est la fin du jeu, c'est la fin du jeu, je vais... Ok, le chien n'est pas mort, il est dans l'eau. Je joue Charlie. Non, pitié.
J'ai fait B. Charlie a sauté. Charlie n'est pas mort. Charlie est dans l'eau. Ok. On fonce sur un caillou. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, Jamie. Je joue Jamie. Aïe, 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 aïe. Attaquer, sauter, je sais pas. Saute. Ok, Jamie est vivante. Je joue qui là? Je joue Marc. J'ai peur. Oui. Non. Bébé. Oh non, c'est la prémonition. Je joue Kate. Kate, attaque. Oh non, tu le sauves, hein. Oh non. Je joue Marc. Kate, fais quelque chose. J'ai peur, je suis désolée, je peux pas lire le chat. Ah, c'est bon. Ah. Attends, c'est dans son cœur là. Toi. J'ai mal. On n'a pas entendu de spray, de jet, de sang. Ah bah y'a du sang là, là on voit du sang, là on voit du rouge, du sang. Oh, faut sauter là, non? On va où? Oh non. J'ai fini le jeu, je vous en supplie. Bravo, GG. Ah, c'est fini. Angèle, merci beaucoup, Angèle. D'être là, coucou. GG, merci, Amy. Radio. Oula, attendez. Attendez, je reste sur mes QTE quand même, ok. Pour moi, il est mort, là. Mais pour moi, il est mort. Hein. T'es trop forte, insane. Merci. On n'a pas utilisé le troisième Joker, hein, en vrai. Personne n'est mort. Oh zut. Merde. Eh, nous écrase pas s'il te plaît, Pélo, parce que là c'est bon. Hein. Pas mourir écrasé par un camion. Vous imaginez la pire fin. Chauffeur, ils étaient là, plantés au beau milieu de la route, à agiter les bras comme s'ils sortaient tout droit de l'asile. Ok. Et vous, d'où veniez-vous? De Fort Wayne. Oui, mon cœur, je sais ta fin. Je conduisais depuis 3 heures du mat. Ça fait tôt. Oui. Bah, en fait, oui. J'essayais d'arriver au port pour 8 heures. Je suppose que c'est fichu. Meilleure fin. Hein. Le chien a quitté l'île Saint-Esprit. J'ai eu la meilleure fin. Il y a écrit, j'ai eu un truc Steam. Tu sais quoi? Je vais y réfléchir pour le studio à Brooklyn. Je vais voir si ça peut marcher. Après ça, ça me dit bien de repartir de zéro. T'as raison. Ouais. C'est... Promets-moi que tu me tiendras au courant. Et tu me promets de me donner tes conseils. Pourquoi même quand je te les demanderai pas. Basse. Merci. Compte sur moi. Merci tout le monde dans le chat. Tchou, petit cœur coréen. Merci. On a fait la meilleure fin. Ah, je suis trop fière de nous. Alors, je suis consciente que c'est peut-être pas le bon moment, mais... Mais pourquoi le son, il se barre? Saïjin, arrête. Nous deux, on est ensemble? Tu sais, les traumatismes, ça rapproche. Carrément qu'on est ensemble. MDR, ok, Jamie, pas de soucis. Saïjin, arrête, s'il te plaît.
Bon, c'était quoi cette respiration chelou là? Charlie. C'est quoi qui va dire Charlie lui? Saïjin, s'il te plaît. Tu veux une clope, mon gars? Ah! Il arrête de fumer! J'essaie d'arrêter. Oh, Charlie! Trop bien, il veut arrêter de fumer! Yes! Ah, ça c'est bien ça! C'est une bonne morale! Bon, il a fallu que t'évites un tueur en série qui a voulu te cramer et te tuer plusieurs fois. Mais bravo, Charlie! On a eu la meilleure fin! Touloutoutou! Youhou! 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 Yeah! 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 Je suis très contente. Après, je crois qu'il y a beaucoup de fins possibles pour ce jeu. Hein. Mais je sais pas si j'ai envie de voir les autres fins, sincèrement. Je peux pas vous le cacher. Il doit y avoir des youtubeurs qui les ont fait, les autres fins. Ok. Écran noir. Oh, le conservateur! Que va-t-il nous dire? Ça se finit trop bien. Ouais, en vrai, personne n'est mort. Trop bien. On a réussi, on a géré. Trop trop cool. Merci en tout cas à tout le monde pour l'instant d'avoir été là. Mais attendez, parce qu'il y a encore une cinématique là, on n'a pas fini là. Il y a moyen qu'il y ait un truc secret après, je sais pas. Je crois que souvent dans les jeux, genre si tu restes jusqu'au bout, t'as un petit truc bonus à la fin. Je l'ai déjà vu sur Little Nightmare. Il a l'air embêté le conservateur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble de partout? Oh, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes là. Oui, on est là. Toutes les bonnes choses ont une fin, certes. Mais était-ce une bonne fin pour notre équipe? Pour notre équipe? Oui. Chapeau bas, car tout le monde est en vie. C'est très gratifiant. Pour vous. Pour vous. L'expérience les a-t-elle changées? Oui. Kate avait un secret. Elle a été marquée par un événement survenu il y a bien longtemps. Mais elle a affronté la chose qui l'effrayait le plus au monde, et elle a survécu. Merci hein, pour nous expliquer. Jamie a appris qu'elle devait se fier aux autres et travailler avec eux. Mm-hmm. Et se soucier d'eux. Mm-hmm. Mark, il a dû arrêter d'attendre qu'on lui dise quoi faire. Il a fallu qu'il trouve sa propre voie. Il nous fait un récap. Jamie a prouvé qu'en dépit de sa fragilité et de ses craintes, elle était capable d'être courageuse en cas d'extrême nécessité. Oui, Erin a été courageuse. Il en a fallu du courage pour assumer ses sentiments envers Jamie. Oui, c'est vrai. Et Charlie. Il a enfin compris que l'autorité ne suffisait pas pour diriger une équipe. Il a su la traiter comme son égal et au moment opportun, lui laisser les commandes. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me chargerai des formalités demain matin. Vous Quelle savez formalité? Où se trouve la sortie? Ce fut... comme toujours, instructif. Instructif. Nous reverrons, je n'en doute pas. Ah oui, bah oui, chaque Dark Picture, on le voit, chaque Dark Picture, c'est pour ça. Oh punaise! Je viens de remarquer que j'ai des piqûres ou je sais pas quoi sur le bras. Ah! Le masque. La musique est pas rassurante du tout. C'est obvious, quelqu'un va récupérer le masque. C'est sûr. C'est sûr. Quelqu'un a récupéré le masque, mais ça veut pas dire que c'est l'autre, c'est pas possible. Il avait un truc dans le cœur, et il est mort dans l'eau, on a vu du sang. À l'heure actuelle. Alors, journaliste. Mais nous pouvons confirmer qu'à 7h30, un routier a été stoppé pour apporter son aide. La police alertée s'est immédiatement rendue sur les lieux.
Les survivants font partie d'une équipe de tournage, Lonit Entertainment, à qui on doit la série documentaire Architecte du meurtre. Merde alors. Il semble avoir approché d'un peu trop près leur sujet d'étude cette fois. Fort heureusement, le cauchemar est enfin terminé. J'hallucine. Vous savez que ma vidéo est devenue virale? Comment tu veux qu'on l'oublie? T'arrêtes pas de nous saouler avec ça. Le quoi? Son est coupé. Ouais, j'ai fait le nombre de vues qu'il fallait pour gagner un grand concours. T'as gagné quoi? Un voyage tout frais payé dans un hôtel sur une île pour 5. Pour 5. Là, tu m'intéresses. Quoi? Monsieur Dumette nous enverra une limousine. Monsieur Dumette. Ça va être le gros truc de ouf. Mais c'est pas possible, mais il est mort. Quoi, c'est encore quelqu'un d'autre? Ou alors il était pas seul? Il était pas seul? Peut-être qu'il était pas seul. Peut-être qu'il était pas seul. Et le jeu, il est fini là ou pas? C'est fini? Je crois que c'est fini. Je sais pas. C'est fini ou pas? Je suppose que oui. Mais attendez. Il est mort, c'est sûr, donc il a pas... Voilà, donc en gros, c'est-à-dire qu'il était pas seul. Et en fait, c'est logique, parce que c'est vrai que... Vous savez, dans le... Dans la serre, là, dehors, il y en avait plusieurs des Dumettes. Genre comme des statues et tout. Et il y en a qu'un seul qui a bougé. Mais ça peut signifier qu'il y en a plusieurs, en réalité. Par contre, j'ai peur, là, de me faire strike pour droit d'auteur. J'espère pas. Yes, I have come to get your soul and leave your body and leave it. Je sais pas comment je to drop the flesh from on your. Je vais quand même enlever la musique, j'ai peur. Voilà, je coupe la musique. Je vais laisser le jeu tourner en arrière-plan au cas où s'il y a un truc de fin et je remettrai dessus. Donc, attendez, parce que là, le reveal, c'est qu'il y a plusieurs Monsieur Dumette, techniquement. Mais après, l'histoire, on avait vu Hector, ok, le flic, Hector Mondé. C'est bizarre quand même. C'est peut-être son fils. Ah, mais là, on voit... Bon, ça gêne le retour. Là, on voit quand même que ceux qui ont été invités, ils ont été invités après seulement... Comment ça s'appelle? Que la journaliste, elle ait dit que... Vous devez rien entendre avec Saïjin qui coupe le son. Que la journaliste, elle ait dit qu'ils ont été retrouvés sur la route, nanana, nanana. Donc, ça... Ou alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs fans de... du tueur qui s'appellent tous Monsieur Dumette. Peut-être... Oh, Saïjin. Peut-être, en fait, que c'est une organisation. Je suis en train de me dire ça. Peut-être que c'est une organisation de plusieurs personnes qui sont fans, justement, du tueur de l'époque, et qui ont voulu le refaire parce que la maison ressemblait, mais c'était pas la même, et de toute manière, ça pourra pas être la même parce que l'île, elle va être prise d'assaut par les flics et tout. En fait, peut-être que c'est ça. C'est jamais la même personne. Alors ça, c'est sûr que c'est pas la même personne, Chanel. Ça, c'est sûr, on sait que c'est pas celle qui... la personne est morte. Mais ce que je me dis, en fait, c'est que sûrement, il y a un groupe de mecs... En gros, Joseph Morello, c'est celui qui nous a accueillis et il se fait passer pour Monsieur Dumette. Oui, oui, non, ça je sais, Chanel, ça je sais. En gros, je sais que Monsieur Dumette, à chaque fois, c'est les gens qui survivent s'ils y restent, qui devaient appeler pour contacter, etc. Mais là, personne, techniquement, n'a appelé parce que tout le monde est sorti du terrain. Enfin, on a sauvé tout le monde, on est d'accord. Donc, moi, ce que je me dis, peut-être qu'en fait, il y a une organisation avec plein de mecs, ou de meufs aussi, qui sont fans et qui... ont fait construire et développer une maison, etc., dans certains endroits, et bah, ils font leur schmilblick, et c'est tout, quoi. En vrai, je pense que c'est ça, hein. Il y a moyen que, tu vois, il y a une autre île, pas celle-là où on était, mais à un autre endroit, surtout qu'en plus, les États-Unis sont grands, et qu'il y a donc un autre... Enfin, je dis Monsieur Dumette, mais en gros, un autre gars qui utilise quelqu'un pour se faire passer pour Monsieur Dumette, qui veut faire ce même schmilblick. Et en fait, c'est comme un réseau. Et si quelqu'un se fait choper,
comme là, bah, là où on était, donc c'était Hector peut-être, ou je sais pas comment il s'appelait, mais en tout cas, lui, il s'est fait choper, on l'a tué. Et bah, son histoire à lui, c'est fini. Mais par contre, l'histoire, elle continue avec d'autres Monsieur Dumet. Mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'ils s'appellent tous Monsieur Dumet. Alors que là, normalement, bah, ils auront eu les informations, puisque Kate, Jamie, Charlie et tout, ils vont donner les infos, vous voyez, ils vont dire bah, c'était Monsieur Dumet qui nous a contacté et tout. Alors, soit les autres, ils ont pas encore entendu l'histoire de Monsieur Dumet, et donc ils ont pas changé leur nom quand ils ont contacté les jeunes, là, le groupe de 5, soit je sais pas. Mais en vrai, assez dingue, tu vois. Cette fin est bizarre. On est d'accord que la fin est bizarre, parce que dans une autre fin, c'est Marc qui devient Monsieur Dumet. Ah. Ah ouais. Ah, dans une autre fin, c'est Marc qui devient Monsieur Dumet et qui fait que c'est 5 personnes qui viennent, alors que là, on ne sait pas qui c'est. J'ai regardé toutes les fins et il y en a une plus précise. À la fin, tu as bien fait attention au monsieur qui propose la cigarette. On n'a pas vu son visage. C'était le chauffeur. Petit conju, tu pourrais jouer à Resident Evil. Oh, en Resident Evil, je crois que ça me ferait beaucoup trop peur. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de fin, là. Je vois le truc défiler, il est en train de défiler, le machin. Ok, ok, ok. Ah, allez, à la fin, c'est la touche A. Attendez, j'y vais. Hop. Allez, à la fin. Ok. Bonne fin, tout le monde a survécu. En vrai, j'avais dit que je restais en live jusqu'à 20h, hein. Donc si vous voulez, on peut essayer de faire une autre fin. Si ça vous tente. T'as plein de scènes alternatives. Enfin, je suis censée monter la vidéo de demain. J'ai tourné la vidéo de demain, elle n'est pas montée. Comment vous dire que je suis dans le caca ? L'anthologie. C'est quoi ça ? Ah, c'est les autres Dark Picture. Man of Medan, 5 amis partent plonger en mer, mais leurs vacances se transforment bientôt en cauchemar. Little Hope, 4 étudiants, ok. House of Ashes, de Devil in Me, et le prochain, il est pas encore, ok. J'avoue, moi c'est pas ça qui m'intéresse là, je voulais voir si on pouvait voir une autre fin. Tu peux faire une autre fin? Bah écoute, on va essayer de trouver, hein. T'as plein de scènes alternatives, mais ça dépend peut-être de si tu trouves toutes les preuves ou non. Ah, peut-être, oui, effectivement. Collection, je sais pas ce que c'est. Bon, je vais faire jouer seul. Je reste encore un peu avec vous. Allez, encore 20 minutes, jusqu'à 20h. Au. Continuer, nouvelle histoire, chargée histoire, choix de la scène. Alors. Là, c'est dans Blackout qu'on l'avait fait crever la première fois. Bon. Elle aurait été morte. Piste sanglante. Mais c'est où qu'on peut changer la fin, entre guillemets? À part... Bah, si tout le monde meurt, tout le monde meurt, bon, voilà. C'est où qu'on peut genre changer la fin et avoir une fin alternative, vous savez, vous? T'as passé l'annonce du prochain Dark Picture. Oh non! J'ai pas vu l'annonce! Zut! J'étais pas sûre que t'étais là, bah voilà, du coup. J'ai pas compris. Pas du tout, je sais pas. C'est mieux Until Dawn. J'ai pas vu Until Dawn. Trac, labyrinthe, piscine, falaise, maison, phare, réunion, lac. Est-ce que c'est dans le lac, genre, faut pas... Ah ou non, faut pas avoir les clés de la voie... La... Faut peut-être pas avoir les clés du bateau. S'ils ont pas les clés du bateau, y a pas le bateau. C'est ça? Je vais faire un autre emplacement par contre parce que j'ai pas envie de l'écraser. Faut juste qu'il ait pas les clés du bateau. S'il a pas les clés du bateau, c'est bon. Es-tu sûr que c'était le chauffeur et le paquet de cigarettes? J'ai l'impression que c'était un vieux paquet. Ah ok. Irine, je suis content. Tu vas bien. Ça dépend des relations aussi. Ah, ça dépend des relations. Irine. Quel soulagement. D'accord. Viens m'aider. Débrouille-toi. Oh, oui, Kate et Jamie, tu les as vus? Tu sais où elles sont? On est d'accord que c'est dans ce chapitre-là que c'était les on clés du bateau. On a été séparés dans les bois. J'ai pas... Pour avoir la fin où Marc devient Dumet, il faut plus Charlie, Eric et Jamie. Tout va s'arranger. Ah! Elles vont arriver. Ah ouais! J'ai trouvé un moyen d'entrer. Venez. Oh bah attendez. Il faut plus Charlie, Erin ou Jamie? Ok. Bon,
Alors, on va aller tuer les gens. Je te dis, quand je jouais Kate sur le toit et que j'avais tombé, j'ai dit à Jimmy de partir, mais Jimmy ne voulait pas m'aider à la base parce que j'avais une mauvaise relation. Ah, d'accord, Alix, ok. Punaise, c'est vrai qu'il y a mon chat qui attend et qui a faim. Les différentes fins s'enclenchent suivant qui survit à la nuit à certains moments clés. Ok, bah vous savez quoi, on va tuer tout le monde. C'est horrible, j'ai pas envie, mais bon. Bon, déjà, on va tuer Erin. Ah, ça va être glauque. Partez, hein, les enfants, s'il vous plaît, partez. Hein, ne restez pas, je vous en supplie. Blackout, allez, Erin, tu dégages. Autre emplacement. Voilà. Mais tu vas galérer, meuf. Je sais pas comment faut faire. Comment ça, tu sais pas comment faut faire? Pour tuer les gens? Bah, faut rater les choix. C'est ça, non? S'il vous plaît. Si on rate les choix, on est bon. Les gars. Enfin, je crois. S'il vous plaît. Erin. Charlie, tu le fais d'aide brûlée. Ouais, ça, on peut faire ça. Détresse, je n'arrive pas à ouvrir. Allez, vas-y. On l'a fait paniquer comme ça. Allez, tu m'as fait qu'elle crève. Sortez-moi de là. Vous avez l'air in love, je sais pas. Calme-toi, Erin. Ça va s'arranger. Qui ça? On est encore au début du jeu, ça rend dingue. Erin, on est là, tout va bien. Tu n'es pas touchée. Donc là, il faut que j'essaye de l'attaquer, c'est ça? Je crois qu'il faut que j'essaye de l'attaquer. Non, mais pour avoir la fin qu'il faut. Bah, déjà, si je tue les gens, c'est déjà bien. On est là, Erin. Essaye de rester calme. Allez, con. Un, deux. On n'a pas utilisé notre dernier joker, t'es trop fort. C'est vrai que, en vrai, on a réussi avec que deux jokers. Hein. Là, c'est vraiment du bonus. Hein. C'est du bonus, là, ce qu'on est en train de faire. On essaye de faire une fin alternative. Cherchez de quoi enfoncer la porte. Avec Marc, on va tenter de la porter. Il va arriver, là, Dumet. Enfin, on l'appelle Dumet, mais c'est pas techniquement vraiment. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Bonjour monsieur, comment ça va? J'ai plus peur de vous maintenant parce que je sais que vous êtes mort. Ha ha ha. Frayeur, il y a quelqu'un. Parce que nous on avait dit ne m'approchez pas. Dites, il y a quelqu'un avec moi, tout près. Comment elle panique la peau. Non mais t'inquiète, on sait que t'as survécu, Erin. Il nous propose l'inhalateur, mais bien sûr, nous n'allons pas le prendre. Nous allons essayer de l'attaquer. Allez hop. Bon, c'est la fin d'Erin. Ne regardez pas si vous ne voulez pas regarder. Erin, au revoir. Mais là, faut refaire tout le jeu. Mais non, Chanel, on peut refaire que les chapitres, je pense. Je regarde pas en vrai. Non. Je viens d'arriver, j'ai déjà envie de vomir. Ah non, mais faut pas regarder, hein. Je regarde pas. Oh, ça me dégoûte. Allez, là, c'est bon, on accouche. Ah, dégoûte. Ok, trajectoire actualisée. C'est bon, ça. Ça va sauvegarder, après on change de chapitre. Je pense qu'on peut faire ça, non? Erin n'est pas là. Mais il y a du sang par terre. Sans deck. Il y a personne ici. Où elle est? Je sais pas. Erin, il y a pas du sang? Erin. Elle a dû trouver une issue. Il doit y avoir une porte ou une trappe quelque part. Une sortie? C'est un placard, Charlie. Bon, c'est un grand placard, quand même. Ok, je crois que ça a sauvegardé. Donc, hop, 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 retour au menu principal. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça, je pense. Faut que ça sauvegarde MDR, ça me paraît trop easy. Mais t'as vu, on a vu en bas que ça a sauvegardé, là. Il y a eu le petit symbole, donc normal. Je tente, hein, je tente. Écoutez, on verra. J'ai dit que je reste en live jusqu'à 20h, donc on peut tenter. Donc là... charger histoire. Ah, charger histoire.
Ah oui, blackout, phare. Ah non. Phare. Ah, c'était l'autre version, mais on n'avait rien fait pour l'instant, et blackout. Celle-là, c'est ce qu'on a fini, ça. Le lac, on a tout fini, on a fait 90% de la version cinéma. Et je peux pas charger la partie et continuer là-dedans? Ah, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah, c'est dommage, ça. Ah, choix de la scène. Ah non. Ah, c'est trop nul. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est dommage. Ça aurait été bien, en vrai. Ouais, bon. La flemme de tout refaire, quand même. S'il faut tout refaire, c'est... Ah, c'est dommage. Ça aurait été sympa. Ils auraient pu mettre cette option. Allez, on va quitter le jeu. Ok. Ouais, sinon c'est quoi? Bonus. Qu'est-ce que c'est bonus? Et moi qui mange. T'as bien mangé, Tracy? C'était bon? Interview de Jesse, le premier tueur en série américain à la création du château, et ça, débloqué avec les secrets encadrés d'argent. Et diorama. Diorama. Il nous manque deux secrets, en gros. Kate, Mark. C'est ça, le diorama? C'est avec ça qu'on paye les trucs? D'accord. Ouais, c'est bon, y a rien d'incroyable quand même, là. Choral. 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 Oh, je suis fatiguée, ok. D'accord. Ah ouais. Ouais, bon, écoutez. Voilà. Voilà, voilà, à quoi servent les pièces? À quoi servent les pièces? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce jeu collection, je ne sais point ce que c'est. C'est quoi collection? Ah, c'est les prémonitions. On les a pas tout tues, hein. Et pourtant, sans les avoir tout tues, on a géré. Personne n'est mort. Trop bien. Trop bien, trop bien. C'est nul, wesh. On est d'accord. On est d'accord, c'est nul. Allez, en plus, vous allez pouvoir voir Sajin, là, elle est en grand. Elle me regarde. Elle a envie de manger comme Jaja. Alors, attendez. Je vais quand même remettre l'arrière-plan blanc. Voilà. Tu viens, Boubou? Tu te montres à la caméra, mon cœur? Mon cœur, on voit que tes oreilles. Viens, viens, bébé. Viens. Tiens, bonjour à la caméra. Oh, oui. Ma crotte. Bon, est-ce que vous avez bien aimé ce live et ces trois lives de Dark Pictures de Devil in Me? Oula, elle tape sur le micro. Bon, en vrai, franchement, j'ai géré. Personne n'est mort. Bon, on a eu quand même un joker. Deux jokers. Mais par contre, on n'a pas utilisé le troisième joker. Là, tout ça pour dire que j'étais au taquet. Ça m'a fait des bosses dans mes cheveux. Génial, on adore. Oh, j'ai dit ok. Franchement, c'était assez chouette. J'avoue, enfin, perso, moi, j'étais vachement stressée. J'ai eu beaucoup peur. Beaucoup peur. J'avoue, j'ai pas du tout la force de refaire le jeu en entier pour avoir une autre fin. Si on veut voir des fins alternatives, je vous conseillerais d'aller voir sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont dû partager des fins alternatives. C'est sûr à 1950%. Donc, on a quand même réussi à faire la fin où personne ne meurt, et ça, je suis très contente. Franchement, je suis très contente. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Demain, vidéo très cool, sincèrement, un challenge construction. Là, c'est bon, on a fini le let's play L'amour est orange, donc maintenant, on repart sur plus de challenge construction. Et vous allez voir, c'est un challenge que j'ai fait il y a très longtemps, et que seules les personnes du live comprendront, puisque le personnage Françoise apparaîtra dans ce challenge. Voilà. Je vous préviens, Françoise apparaît dans le challenge. J'ai trop hâte. Donc normalement, demain, c'est à 16h. Maintenant, le mercredi, j'essaye de faire à 16h. Après, je t'avoue que la vidéo, elle est tournée, elle n'est pas montée. Comment te dire que là, il est bientôt 20h. Je sais pas si je vais réussir à gérer tout. Normalement, je devrais réussir à la monter. En fait, j'ai 2 heures de rush. Plus de 2 heures de rush, plutôt.
Donc il faut à tout prix que je finisse le montage de la vidéo et la miniature et tout pour demain, quoi. Mais ça va être super chouette, franchement, je pense que vous allez bien aimer. Là, je vais essayer de reprendre un peu d'avance, j'espère tout du moins. Sinon, on se retrouvera en live jeudi prochain. Enfin, jeudi prochain, qu'est-ce que je... Jeudi dans deux jours. Jeudi dans deux jours à 18h, 18h, pour jouer aux Sims. Et on continuera sûrement la rénovation des mondes ou alors autre chose. Mais voilà, on se retrouvera en live jeudi. Donc demain, une vidéo à 16h, normalement. Voilà, j'essaye le mercredi à 16h parce que entre 17 et 18h, il y a tellement de youtubeurs qui créent des vidéos, qui les sortent et tout. Je me suis dit, ben, je peux la poster un peu plus tôt. Avant, je le faisais à 14h, tu vois. Donc, je sais pas. Là, je tente 16h pendant un mois et on verra en fonction des stats et tout. Vendredi, nouvel épisode du Legacy Challenge. D'ailleurs, il faut que je fasse le machinima du Legacy Challenge parce que pour l'épisode prochain du Legacy, il y aura un machinima. Voilà, je vous spoil, je vous dis ça pour les 100 personnes qui restent là. Et samedi, un petit short. Et dimanche, normalement, je live de nouveau. Voilà, on aura 3 lives cette semaine. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ce live-là. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais juste checker le goal membre. Nous sommes à 167 membres sur 200. Donc, le prochain jeu d'horreur, si vous voulez que ce soit un jeu d'horreur, ce sera au 200e membre. Voilà, tant qu'on n'arrive pas à 200 membres sur la chaîne, je ne fais pas de jeu d'horreur. Voilà, faut qu'on arrive à ce palier-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pendant ce live. Dimanche, sur un live, ouais. Normalement, dimanche, il y a un live. Exactement. Et d'ailleurs, samedi soir, soirée jeu sur le serveur Discord. Je vous l'avais déjà dit, mais je le redirai et je mentionnerai les gens sur Discord avec le hashtag, @everyone. Samedi soir, on fera une petite soirée jeu, on jouera à Gartic Fun, des trucs comme ça et tout. Saijin qui est en train d'allonger ses grosses fesses sur mon bureau. Mais donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là pendant ce live, ça me fait trop plaisir. On se retrouve demain dans une nouvelle vidéo, jeudi en live de nouveau. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée. Bye bye tout le monde, bisous tout le monde.